Hello, hello. Comment est-ce? Oh, ça sent les ennuis. Ça sent les emmerdes. Voilà. Bonsoir. Hola. Ça Bah non. Enfin oui et non. Pourquoi? Dis-moi. Bah ces petites salopes là, ils sont en... comme ça, en formation fusée Saint-Merlin-Chauve apéro dînatoire, et ils veulent pas m'entrer, ranger, refiler ma bagnole. Ils me disent oui, on verra ça plus tard, bla bla bla. Ah, ils Ça ont cru pue qu'on ça. avait leur temps ou ça se passe comment? Je crois, ouais. Ah putain, il y a la Lolita Chanel du Unicorn qui m'a contacté. Lolita Chanel, Ouais, bordel. Lolita Chanel. Elle est avec une cuillère en or dans le cul, un truc comme ça. Clairement, ouais. Et bonjour, bonjour. Ah oui. Ah ben oui, la shafter. Bah oui, pas de shafter, c'est vrai. Ouh. On a Ouais, frôlé un un peu plus. drame là. Ouais. Quoi de prévu pour ce soir? Il faut qu'on te fasse un topo de ce qui s'est passé. Kenneth, t'es où? Jacques, mon frangin! Viens au quartier, s'il te Ah, j'ai plaît. failli perdre la vie là. Ouais, j'arrive! Bah je Et le dépose pour qu'il prenne sa putain de bagnole et j'arrive. Ok, on ira se boire un coup après. Le topo rapide. Parce que voilà, parce qu'on n'a pas le temps. Topo rapide, on a réussi à choper Harry. Okay. Elle prend l'avion ce soir. J'ai pas. Elle prend l'avion pour Pachuca ce soir. Du coup, le logement là, qui est... elle l'a vendu, elle en a fait quoi? Elle a vendu le logement et ce soir, du coup, je vais aller à la mairie avec elle pour qu'elle nous file tous ses véhicules. C'est la dette
qu'elle a envers nous, pour qu'on lui laisse la vie sauve. D'accord. Et du coup, elle a quoi? Le troupeau? Tropos, Speedo. Ouais. J'ai pas vu la main de chaise. Elle a sa club, mais je veux lui laisser sa club. Sauf si elle veut nous la donner. Mais en tout cas. La tropos, du coup, c'est qui la récupère? Alors, pour l'instant, c'est moi qui vais récupérer tous les véhicules. Ouais, t'as bien raison, t'as bien raison. Je ferai le dispatch plus tard. Mais voilà. Donc, elle m'a déjà refilé les 121 000 de l'appart. Ok. Et qu'est-ce Donc. qu'on fait? Est-ce qu'on le rachète ou Non. on reste comme ça? Non, pour l'instant, je pense pas que ce soit nécessaire. Pour la simple et bonne raison que. Il va y avoir une refonte des Forsaken. La refonte risque peut-être d'être violente. Peut-être. C'est-à-dire... C'est-à-dire qu'aux dernières nouvelles, Michael ne veut plus m'épauler. Michael veut devenir un simple membre. Sauf que c'est pas lui qui prend cette décision, c'est moi. Si, Donc, admettons, tu il prends a cette pris. décision. Il a pris quelques jours, donc je verrai à son retour. Il est juste pas du tout d'accord avec mes choix de laisser Harry en vie. Je sais pas ce que toi t'en penses, j'en ai parlé avec James hier. James comprend pourquoi je fais ça. Bah moi ce que je sais c'est que Harry et toi vous avez une relation assez pas dire fraternelle un peu. Mais pour ce qu'elle a fait, surtout quand je suis parti, le fait qu'elle t'ait kidnappé et que Bon, au après, tu me final raquettes, on tu me a. barres. Ouais, Mais après, ce type là. le frère de Frère, ça! Kenneth. Je m'en vais. Frère! Dire bonjour. Il est Ouais, revenu! salut. Quoi, bah non, bah oui, bah non, bah je peut-être, pourquoi? Oui, non. On C'est ira. un malheur resté, je suis jaloux, Oui, voilà. c'est un. Oui, c'est J'ai un ma balleur lampe resté. torche dans ta caisse. Mais qu'est-ce que. Bon, Merde, tu peux m'ouvrir ta rebonsoir et caisse? bonsoir, je sais pas quoi. Si, merde. Fatigué. Ah! Elle est là, mon lampe torche. Me fatigue. Vas-y, toi, attends, attends. Attends, Bah, je pose. vite ta merde et Ah, puis putain, j'y vais. Kenneth, j'ai pas que ça à foutre. Ouais, mon Bah, je sais lampion. pas, je sais, j'arrive au Excuse-moi, toi, t'es mauvais. qui, toi? Enchanté, je suis le frère de cette gentille personne. Et anciennement un ancien membre de ce Ah, t'es groupe. revenu, Fondateur. d'accord. Un des Ok. fondateurs, ouais. Mais Ok, qui ok. a passé Qui a passé un bon bout de temps à disparaître et réapparaître. Et voilà, bonjour, enchanté, je suis de retour. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Enchanté, non, moi c'est Jules. Et ben, enchanté, moi c'est Jamie. Voilà. Enchanté. Jamie Walker, le petit frère de cet autre trou de balle qui est parti là-bas. D'accord, enchanté. Enchanté. Changer de coupe, Rosa. Ouais. Bah, les cheveux, ça Bah, pousse. t'es. Oui, bah ça te va beaucoup mieux. Merci. Oula, mais il manque pas une acolyte Kenneth, dans tout par ça. pitié! T'es arrivé quand toi? Quoi? Et Ouais, je suis toi? là. Oula, oh Bonsoir, putain, là. j'ai oublié, je suis arrivé au même moment que Kenneth. Alors, non, mais genre là, enfin, je sais que t'avais Ah repris là, je suis l'avion. arrivé à l'heure, là, il y a Ok. 20-30 minutes. C'est ce trobo qui est venu me chercher. Mais on trouve plus ma voiture dans les parkings. Tiens, regarde, l'amiral recrute, va postuler en vrai. Ouais, bah attends 2 minutes avant que je meure sur Chauffe, la route. enculé. Hein. Ouais, je m'en casse. Bon, Oh, bah bonne soirée, tu bon l'as pris courage. pas l'auto. Hein. T'es pas là, putain. Ouais. Ah. Tu parles à un expert de la conduite. Des C'est ça le bisous, problème. Ishi. Ouais, je sais. Allez, Allez, barre-toi. ciao. Allez, Ça va, zoom. vous faites pas prendre, s'il vous Pch, plaît. allez, va. Allez. Nickel. J'ai pas resté là. Oh, Oh, c'est à l'avant. oh, Oh, mais putain. Oh, oh, il est mais il est con. aussi intelligent que toi, hein. Ta Ah, gueule. eh. Ah, N'aie il est pas peur pire que qu'il le moi. veut, hein. Attends, Oh, attends, tu vache. verrais quand il est né réaction, mon gars, c'est des barres, hein. C'est un délire, c'est un délire. Allez, dire, je Ah, t'encule, mais juste tiens. que d'arriver. T'as pas Laissez-les chopé une voir. réaction avec ma caisse, enculé. Bah, j'aimerais bien. J'ai pété la Mais vitre faut qu'on arrière, se vas-y, rappelle pas. barre-toi, Ouais, t'as avant que je te pété la. démarre. Allez. Barre-toi avant que je te démarre, enculé. Mais Kenneth, par pitié. Va pas énerver les C'est vrai. voisins, s'il te plaît. Parce que ça pue la merde. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, et le fait qu'elle t'avait Oui. braqué et tout, et que en partant, elle nous a un peu nargué en klaxonnant.
Pour moi, je suis du côté de Michael où on aurait dû La buter gratuitement sans discuter. Ok. Gratuitement? Pour moi, tant qu'il n'y a pas eu de discussion, ça reste de la gratuité. T'as bien vu ce que ça a donné quand t'as essayé de discuter, non? Quand j'ai essayé de discuter, quand? Quand t'as discuté, quand soi-disant, bah le soir où. Ou Rosa, pardon. Harry t'a kidnappé. J'ai pas rediscuté depuis avec. Ah, donc t'as essayé de rediscuter. Enfin, si, j'ai discuté, elle était à l'hôpital. Et après, mais attends, mais du coup, l'observatoire, c'était quoi? C'était le tricotage. Comment ça, le tricotage? Le fils. Vous savez quoi, aller à l'observatoire si c'était pas pour discuter? Alors. Qu'une chose soit claire. Vas-y, roule soupe, putain, enculé. Bête. Je vais le... C'est pas la soirée à me faire chier. Alors, si elle a fait ce qu'elle a fait, c'est pour la simple et bonne raison que Michael lui a fait comprendre quel était le problème. Ensuite, elle s'est dit que le meilleur moyen, c'était qu'elle parte. Sauf que, rappelez-vous, je lui ai refusé son départ. Je lui ai refusé son départ avant le 31. Ouais. Pour la simple bonne raison que c'est moi qui décide quand quelqu'un part. Donc en fait, elle a juste essayé de me pousser à bout pour que je la batte. Tout simplement parce qu'elle savait que sinon, Michael allait le faire. Et elle refusait que ce soit Michael ou un de vous qui le fasse. Elle voulait que ce soit moi. Très donc, clairement. Elle a essayé de me pousser à bout. J'aurais fait la même chose. Là, après, il y a eu la discussion au ponton. Très clairement, James, Michael et moi, on aurait voulu vraiment la canarder quand elle est partie en moto, mais apparemment, les ordres, c'est les ordres. Mmh. Et du coup, là, elle s'en va en sachant qu'elle sait tout, surtout. Oui. Et nous, on lui secoue des mouchoirs blancs. Écoute, à un moment donné, vous m'avez fait chier pendant 2 semaines. Rosa ceci, Rosa cela, Rosa on là-bas, Rosa en fait on lui demande de la thune. À un moment donné, maintenant j'ai décidé, elle s'en va. Elle s'en va ce soir. Elle nous file tout ce qu'elle peut nous filer. On veut reprendre le business, il nous faut de la thune. Elle sait très bien que si elle ouvre sa gueule, elle est foutue. Elle est foutue de ma main. Moi, je suis partisane des secondes chances. Mais là, c'est ça. On a peut-être abusé des secondes chances. Non, elle en a jamais eu. De ma part, elle n'en a jamais eu. Ah oui, oui. Parce que il y a des soirs où quand t'étais pas là, on savait pas ce qu'elle faisait, machin. En attendant, le seul soir où on la voyait, c'était quand t'étais là. En attendant, elle ne nous a jamais trahis. Ok, peut-être qu'elle a oublié de nous dire certaines choses. On oublie tous des trucs. C'est possible. Mais elle ne nous a jamais trahis. Elle a donné son sang pour le gang. Même si elle n'a pas été là à ses débuts, Kenneth et moi, on sait à quel point elle s'est donnée pour le gang. Bah, le groupe à l'époque. Malgré toute la merde qu'elle a pu faire, parce que Harry reste quelqu'un de. Comment dire? D'impulsif. Je considère qu'il n'y a pas eu trahison. Quoi? Il n'y a pas eu trahison et elle a fait ses preuves pour le groupe. Elle nous a aidés à arriver là où on en est aujourd'hui. C'est sa dernière chance, elle le sait. Elle sait que si elle prend pas cet avion, elle va se faire abattre. Que ce soit par l'un de vous, par moi ou par quiconque, elle sait que sa tête est mise à prix. Maintenant, je sais que... À quelle heure son avion ? Il faut que je voie avec elle, il faut que je voie avec la mairie. Mais en tout cas, ça devrait être entre 23h et 23h30, grand maximum.
C'est juste qu'il y a beaucoup de transferts à faire avec la mairie. Il va falloir qu'on mitonne comme pas possible avec les transferts d'argent. Mais en attendant, l'accord a été fait hier que pour ne pas détruire les Forsaken, parce que vous me soutenez tous que le cœur des Forsaken c'est moi, et que abattre Harry ou ne pas la laisser partir c'est littéralement me détruire, donc détruire les Forsaken, l'accord a été fait hier qu'elle nous donne tout ce qu'elle peut nous donner. Et que son ami JB de Bleu Ciel fasse de même. Maintenant, je sais pas du coup ce que vous aviez convenu, Kenneth, avec James. Puisque des choses ont été faites dans mon dos hier soir. Ouais. Donc je ne sais pas ce qui a été convenu. Moi, j'ai juste l'accord avec Harry. J'ai pas du tout l'accord concernant JB. Maintenant, l'accord c'était qu'elle nous enlèverait un des deux. On a décidé de laisser JB et de choper Antoine. Antoine, on en fera notre affaire, c'est pas le problème. Mais la parole d'un Forsaken, c'est une parole divine. La parole d'un Forsaken, il n'y en a qu'une. On a dit que JB n'aurait rien, JB n'aura rien. JB prendra l'avion avec Harry ce soir. Enfin... Tu mets mon poing dans la gueule quand même. J'ai pas dit qu'on lui pèterait pas 2-3 dents. Parce qu'il m'a un peu tiré dessus, mais ça... Enculé, y'en a un autre, il va bouffer. J'ai pas dit qu'on lui pèterait pas 2-3 dents, il sait ce qu'il a fait. C'est normal qu'il ait une punition, c'est normal. Mais en attendant, s'il nous donne une compensation, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le laisser partir. Il nous a pas trahis. Il nous a pas fait de coup dans le dos, la seule chose qu'il a fait c'est omettre certaines vérités et nous cacher quelques trucs. Mais pourquoi il a fait ça? Pour sauver Harry. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai fait la même chose. Donc dans ce cas-là, si on devait vraiment se venger sur lui, bah dans ce cas-là vous devez vous venger sur moi aussi. C'est exactement la même chose. Donc maintenant, Kenneth, c'était quoi l'accord qui avait été convenu avec James? Pas de d'accord. Hein. C'est juste qu'au moment où je me suis fait plomber, bah, il a dit vas-y, on change de radio. Enfin, on discute sur l'autre radio. Attends. Donc t'es en train de me dire que c'est Michael. Ok, d'accord. Très bien. Ok, c'est noté. En gros, bon, pour la faire. Comme ça. Et il m'a dit 1375, la radio sans Rosa, pas certain qu'elle ne parle pas à Harry. Voilà. Ok. Donc, qui vient de me trahir là? Michael. Faire quelque chose dans le dos de sa chef, c'est une trahison. Surtout quand on est censé l'épauler parce qu'on est son bras droit. Michael veut une chef, il aura une chef. Mais il va redescendre tout en bas. Bon, ouais. Donc, qu'est-ce qu'il a été dit sur cette radio? C'était hier soir, moi j'ai dit qu'en gros t'étais venu me chercher en... En calico blanche. En calico blanche, qui d'ailleurs... Bah un peu étonné, mais bon. Mais hormis ça, rien, voilà, que... Je sais même plus, en fait, mais... Je sais plus. C'est dans le feu de l'action. Okay. De me faire plomber, encore une fois, pour continuer. Mais voilà, on voulait la choper, quoi. Les choper, du moins, évidemment. Logique, enfin logique. Ok. Ouais. Donc, je te demande à toi, Kenneth, parce que tu me connais mieux que quiconque restant chez les Forsaken.
Les restants des Forsaken, ouais, je pense. Ouais. Ah oui. Ben, on a fondé les Forsaken ensemble. Est-ce que tu aurais abattu Harry en sachant que ça m'aurait détruite? Et que par là même, vous auriez perdu votre chef? Réponds. Non, je l'aurais pas fait. Ok. Donc on est d'accord là-dessus. Donc, maintenant je vous demande à vous deux, puisque on est que les trois, la décision doit être faite ce soir. JB doit payer sa dette. On soit bien d'accord. Dedans, ça va pas suffire. Harry n'aura pas l'argent pour payer deux dettes. C'est pas possible. Harry va payer sa dette ce soir. Elle a déjà vendu l'appart. J'ai les 121 000. Ils sont pour l'instant dans la caisse noire. La caisse noire, pour l'instant, je refuse de donner la moitié de ce qu'Harry m'a donné à Michael. Michael m'ayant trahi hier. Les véhicules, il faut que je voie avec elle exactement les véhicules qu'elle a. En attendant, j'aimerais qu'elle garde sa club. Elle va à Pachuca, elle aura besoin de sa club. Ne serait-ce que pour emmener ma soeur au resto. Qu'est-ce qu'on demande à JB? JB, c'est quoi par rapport à Harry? C'est un de ses meilleurs amis. Disons qu'il était prêt à donner sa vie pour l'aider à partir. J'ai une question. Admettons, bon, on fracasse quelques dents à JB, y a pas de souci. Mais Ouais. si Harry, ça lui plaît pas, qu'on soit entre guillemets obligé de lui fracasser des dents aussi, donc du coup Harry c'est ça va te toucher aussi quoi. m'a clairement dit qu'elle savait ce que JB risquait. Je lui ai promis qu'il ne mourrait pas. Je lui ai juste dit qu'on ferait ce qu'on a à faire, parce qu'on peut pas laisser un citoyen nous mentir et nous cacher la vérité de la sorte. Surtout quand il a trois flingues pointées sur lui. Donc Harry sait ce qui risque d'arriver à JB. Elle m'a dit qu'elle comprenait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on réclame à JB? Il faut leur demander un truc. Rapide, efficace. On peut pas leur demander un équivalent de vente de pochons ou de sacs. C'est juste pas possible, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas prévenu les autres gangs que la tête d'Harry n'était plus mise à prix. Donc, il faut qu'ils se baladent en ville le moins possible. Sinon, c'est sûr qu'elle va se faire abattre. Et je sais pertinemment que même s'ils l'abattent pas, qu'ils me l'emmènent vivante, ils vont attendre que je l'abatte. Et on sait très bien comment réagiraient les Skulls si je le faisais pas. Et avec l'histoire des Vagos, c'est hors de question que je me foute en plus les Skulls à dos. Bah, compensation, je sais pas. Quoi? Tu... Les deux, ils doivent partir pour à combien là dans leur ville, à Pachuca? Comment ça? Genre pour vivre Mais bien. ils sont nourris, logés, blanchis là-bas, ils vont chez ma mère. Il faut bien qu'elle donne quand même une compensation à ta mère. Oui, mais ça, ils auront largement assez. S'ils ont 20 000 à deux, c'est largement suffisant. Bah voilà, alors ils partent tous les deux avec 10 000 dans leur poche, et là c'est dans la nôtre. Ok. Et eh ben va comme ça. Va comme ça. On va bien monter les enchères, mais le timing est serré. Le timing est très très serré. Et je veux profiter que Michael ait pris quelques jours
pour la faire partir avant que Michael revienne. Je sais qu'il est capable de la battre dans la rue. Et c'est hors de question. Ok, et ben on va faire ça. Je vais aller chercher. Putain, est-ce que la mairie est ouverte? Bon. Oh. Sur appel. Et ben ils ont intérêt à bouger leur cul. Je vais aller chercher Harry. Je vais la faire aller se changer. Mettre un bonnet, quoi que ce soit. Peu importe. Et je vais aller à la mairie du coup, pour les véhicules. J'ai combien au total sur le compte là? 253. Si je fais des virements de... Si je fais du 220... 250 et que je dis à la mairie que pour 250 j'ai acheté tous les véhicules, vous pensez que ça passe? Ouais. Par contre, moi, j'aimerais bien. Vous pouvez me rembourser pas oui, tard, genre. Oui, non, non, je pensais. Ah, attends. On parce que là, méga sauce, quoi. Oui, bonsoir. Bonsoir, Madame Arquette. Excusez-moi de vous déranger. Lolita Chanel, je vous ai envoyé un message plus tôt. Ah, oui, effectivement. Oui, oui, oui. Je suis une femme très occupée. Oui, oui, moi aussi. C'est pour ça que je me permettais de vous appeler. Est-ce que vous auriez des disponibilités ce soir pour venir procéder au règlement? Alors, possiblement. Ah oui, est-ce que plus tard... Jusqu'à quelle heure je peux compter sur vous? Vous pouvez me donner une heure, vous savez, on travaille la nuit ici. D'accord. Si je vous recontacte vers 23h pour vous donner un horaire plus précis, est-ce que ça... Oui, ça sera très bien. Oui, oui, pas de problème. Eh ben, on fait comme ça. Ouais. Vous attend à 23h. Très bien. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah, c'était la pétasse Chanel. Ah ouais, elle est peut-être sympa. Ouais. Ah, elle est peut-être sympa. Du coup, ouais, rendez-vous 23h pour payer le unicorn. Ouais. On est d'accord, on maintient la PP. Ce sera pas la PP qu'on avait prévue, mais bon. Ça restera une PP. Bon, du coup, je vais aller chercher Harry, je vais aller à la mairie. Pour récupérer les véhicules. Ensuite, je les convoque ici avec JB. Et on parle pognon. Ok. Ok. Ça va. Et ben allez. Et ouais, pour mon virement là, ce serait bien. T'as combien en tout? Oui, ce sera fait ce soir. Là, j'ai 14 000 balles, 13 861 sur mon compte. Ok, et je dois te rembourser combien? 59 625. Oh putain, ouais. Bah en fait c'est un peu ça le problème parce que bah j'ai... Là t'as de quoi refill ou... Ouais, j'ai 13 000 balles donc ça va. Ok. Mais non mais il me suce un peu tu vois. Ce que je fais c'est que du coup je fais le faux virement à Harry, elle me revire la thune tout de suite. Et ce que je fais c'est que du coup... c'est juste que... Je te fais le virement. Juste après. Jamais, tu vois. Non, t'inquiète, je te fais le virement juste après. Ok, bah let's go. Pas dire aux gens, ouais, non, je peux pas. Non, dire, bah non, pas, non, non, clairement pas, on peut pas faire ça. Ok, bah je vais passer à l'Emerald, acheter à bouffer, et puis voilà. Eh merde. Que oui! J'ai l'habitude de faire. Tu fais quoi, Jules? Ah, je faisais un truc sur mon téléphone. Ah, yes. Je veux passer à la mort, là, je t'ai à bouffer. Ça marche. D'ailleurs, il faudrait que je récupère ma shafter à l'Emerald. Je crois qu'elle y est encore. Bah, tu veux que Julie me dépose et je la récupère, au pire. Ouais, mais James a pas les clés. Donc il peut pas la sortir. C'est pas faux.
Non, j'irai plus tard, j'irai plus tard. Ok. Jules, est-ce que t'étais là quand on a eu une discussion un peu froide avec les Vagos? Non. La seule discussion qu'on a eue, c'est quand Jules était venu au quartier. Mais c'est tout. Ok. Les Vagos nous ont cassé les couilles concernant notre zone de vente. C'est-à-dire? Toute la partie de la plage et tout, en fait, ils veulent que nos revendeurs s'arrêtent au niveau de Palomino et n'aillent pas plus bas. Je pense que c'est Naïma. D'accord. Autant dire que j'ai essayé de lancer les négociations, j'ai pas de nouvelles depuis. Donc si jamais tu vois un véhicule jaune qui te tourne autour ou quoi que ce soit, tu fais un call radio. Ça marche, ok, c'est ok. On va aller te changer d'abord. Pourquoi? Parce que de loin là. Parce qu'il y a un deal. Oui, sauf que. Sauf que le deal n'assure pas la protection des autres. Je parle pas des. Ah, Naima, elle m'a dit qu'elle avait chopé un flic. Elle est très conne, elle est au courant. Du coup, tu vas leur dire quoi? Non, elle perd de couilles. À qui? Aux autres gangs? Ouais. Je vais leur dire que j'ai fait ce que j'avais à faire. Pas mentir. Je vais pas mentir. C'est pas un mensonge. C'est peut-être un peu cher ici, non? J'ai plus de thunes, je t'avouerai. Attends, j'ai combien? Attends. J'ai 1000 balles. Marais, je suis à moins 1600. Quoi, à côté du BTP, à côté du bureau de police. Il y a un bingo. Ah oui. J'ai vu l'arrangement. Récupérer la moto. J'ai vu l'arrangement avec les gars. Ok. Toi, du coup, l'arrangement c'est la Tropos, le Speedo, la Manchez. Et du coup, l'argent de l'appart que tu m'as déjà donné. JB pour sa protection. J'ai vu avec les gars. C'est un petit passage à tabac parce qu'il nous a quand même bien bien mené en bourrique. Il doit se prendre des droites, ça ne va aller. Il va juste se faire un petit peu voilà quoi. Déboîter la mâchoire, rien de bien méchant en soi. Ça devrait aller. Et une petite compensation financière. Pas de thunes. Il a pas du tout de thunes.
Il tout aussi pas... dans la merde que moi. Il a pas une bagnole à vendre ou je sais pas quoi. Il a que des véhicules bagnés. Il a dépensé toute sa thune pour faire un cadeau à sa meuf. Oh, ouais, c'est un meuf qui le trompe. Parfait. Ça. Bah, on l'a vu traîner avec, avec un autre type. Des conneries, ça ? Mm-mm. C'est la totale vérité. Vous savez que c'était un bluff pour le faire sortir de Saigon ? Ah, c'était tellement pas un bluff. On l'a croisé avec une PM. Béquet ? Je sais pas, moi je le connais pas. Okay. Mais c'est un connard qui ressemble beaucoup à Mahoney. C'est Mahoney ? Mm-mm. Ça, je suis habillé pour Pachuca. Nickel. Faut qu'on passe dans une banque, que je te fasse un virement. Tu passes dans une station. Oui, aussi. Tu veux pas que je conduise ? T'inquiète. Je stresse vraiment. T'inquiète. C'est très stressant que ça soit pas moi qui conduise. Oui, donc une banque, que je te fasse un virement, que tu me refasses le virement juste derrière. Faut faire les virements pour tous les véhicules. Oh, je vais faire un virement global et se démerde. Accepte pas. Oh, vraiment. Faut que tu fasses un virement par véhicule qui est minimum la moitié du prix du véhicule. T'inquiète, j'ai tous les prix, ça ira okay. Vite. Pas les virements à la chaîne, je te rembourserai la chaîne, pas de soucis. Ok, on fera ça. En tout cas, ouais, faut qu'on passe dans une banque faire ça. Ouais. Pour les bagnoles, Tropos, je m'en fous. Speedo, je m'en fous. Manche, je m'en fous. Mais les porcanettes. Tu veux pas partir avec ? Mais ça, il est pour toi. Tu crois vraiment que je... le prix pour l'emmener jusqu'au Mexique, c'est plus cher que le prix de la bagnole ? C'est toi qui vois. Ouais, dit la Tropos, ok. Mais tu sais le prix que ça coûte de déplacer un véhicule par cargo ? Des cubes, trop de passages. Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire en Irlande. Poum. Ouais. C'est un criminel qui va à la Pacifique. Ouais, ça devrait le faire. Bah écoute, c'est toi qui vois. Non, faut qu'elle lui revienne la clave. Ok, donc la clave à canette. C'est la Tropos, oui, je l'aurais embarqué, mais une clope c'est pas assez cher pour que je la garde. Ok. Même si je le voulais, j'ai pas de quoi payer le transport. Ok. JB m'appelle. Ok, vas-y. JB, comment ça va? Tranquille, je suis avec Rosard, on est en train de faire ce qu'il faut pour les véhicules, pour le début du deal. Et du coup, après, faudra voir avec toi, probablement un passage à tabac, et je sais pas quoi pour compenser. On fera ce qu'il y a besoin de faire, GB. C'est un... Voilà. Donc du coup, je te rappelle juste après, je finis de gérer pour mes bagnoles. Pas toi en attendant. Ok, dans l'ordre, club 25 000. 32-31, c'est ça. Toujours. 25. Hein. Club 25. Du coup, je vais le marquer. Hop. Au-dessus de la moitié, comme ça on est large. On s'en fout du prix lui-même. Voilà. Mais ça, 50. Attends, attends deux secondes. Parce que je fais en même temps les. J'arrive. Hein. Hein. 60. Hein. Quoi ? 60, t'as dit. Mais ça. 60, tu peux.
marche très bien. Trop de pause pour que ça soit logique, 150. Je suis con, j'aurais pu prendre directement sur mon... Et je vais pas pouvoir te tout rembourser vu que j'étais en négatif, il y a 1500 balles que je pourrais pas te rendre. Ouais, c'est bon. Ah, mais je le précise quand même parce que j'en ai pensé. Oui, t'inquiète. 150, hein. Ouais, trop pause 150. Bonne chaise, on va dire 25. Je mets ça trop pause, bonne chaise. Et Speedo 9, c'était 20 000, un truc comme ça. 27, je crois, un truc comme ça. Tu m'as bon. Dit, tu... attends, je... après le Mesa, c'était... non, Mesa après la Tropos, Manchèse. Tropos 150, Manchèse 25, Speedo met 20, comme ça on est large. Ok, ça c'est la Manchèse. Hop, et Speedo. Je vais loin de The Beach pour vendre un peu. Speedo, on a dit combien ? 20 000. Ah, il faut que tu me fasses un petit virement. Là. Enfin, un petit gros virement, du coup. Oh putain, j'ai 233 000 balles sur mon compte, j'en ai jamais eu autant. Ça saute pas les miens. Oh, si je cours assez vite, là, tout de suite. Alors, tu te prends une balle dans la jambe. La jambe ? Je sais pas. Bah, je vais pas t'abattre. T'essayes de te voler là 230 000 balles ? T'essayes même pas de me. D'accord. Non, mais ça me fait plaisir. Plaisir que ça soit que la jambe qui est touchée. S'il te plaît, vise la droite. La gauche a déjà pris assez cher. Ouais, t'inquiète. C'est Speedo, hein, le dernier. Ouais, c'est ça. Mais ça, trop pose, mon chef Speedo. Attends, j'ai oublié. Je suis une connasse. Mais c'est pas le sujet. Mon BMX t'intéresse ou celui-là je l'emmène ? Petit vélo. Je m'en fous. Je garderai mon petit vélo. De toute façon, ça tombe bien vu que je peux plus en faire. Alors, les transacs. Putain. 1, 2, 3, 4. Il m'en manque un. Tu vas avoir la rétro custom ? Il m'en manque un, il m'en manque un. T'as pas mis le speedo ? Non, si, j'ai mis le speedo, mais j'ai pas mis. Trop, non, rêve, là. T'as pas mis le speedo. Ouais, mais dans les deux derniers. Dans oui. Le transfert, il manque la manchèse. Ah, manchèse 25, Speedo 20 000. Ouais, ah, bah voilà. Je te l'ai pas fait. Ah oui, parce que tu voulais. Tu vas faire quoi ? Oui. Hop, hop. 25. Et du coup. Je suis à la plage. La vérification. Il y aurait-il moyen que tu m'emmènes quand ça jeune au conseil, parce que j'allais vendre vite fait mon LE, du coup. Tirer les 25 000. Bah, je fais demi-tour. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Voilà. Du coup, je attends, tu, dis-moi quand tu vends le 28 000 balles. Le LE, ah oui. Le vends quoi ? Il est combien quand c'est 30 000 ? Ouais, 30 000. Ouais. Vas-y, 18 000, il est à toi. Non, mais ouais, c'est pas pour moi, mais. Preuve de virement, ah ouais, t'as pas mis les deux dernières. Non, mais j'ai. Regarde, j'ai mis le total. Mon frère, ouais. Oui, et au milieu, il y a le gros 230 000, on voit pas du tout qu'on est en train de dédouiller, c'est bien. Maintenant à la mairie, c'est genre. Je vais couper. Je vais couper. Tu t'engages à rembourser. Je vais faire ligne par ligne. Moi, c'est comme ouais, ça. Non, ce truc. Ah, mais j'ai même pas les 18 000 balles. Bah, demande à la banque. Genre, c'est lui qui. Un historique des transactions. Il devrait me rembourser en fait. Ah. Et dans le libre LL, tu peux mettre, c'est pour quoi en plus? Ouais. C'est pour ça que du coup j'ai pris sur l'historique, comme ça il voit bien que chaque truc c'est pour tel véhicule. De l'argent, il plaît. Oh pas le rêve là, mais le putain, c'est utile que je le découvre maintenant, tiens. Ouais. J'arrive à joindre. T'inquiète, t'auras rien, chose à pas de soucis. Je crois que j'aurai vraiment pas l'argent pour faire des transactions du genre. Je pense pas. Je vais essayer de le rappeler. Je vais même lui faire le plein. Let's go. Est-ce qu'il crèche quelque part ou pas ? Non, non, il a pas de maison. Ok, ok.
pour aller chercher le premier véhicule pour le déposer. J'espère que t'as ton permis moto et permis voiture. Ils peuvent pas obligés d'avoir le véhicule. Non. Sur place, je suis pas sûr. Non, je crois pas, Non, c'est pas faux. T'as ton permis voiture et ton permis moto? Oui, j'ai les deux. J'ai repassé mon permis il y a deux jours. Il faut qu'on aille où pour faire tu ça? Tu sais que je suis allé chercher ma moto, j'avais pas mon permis voiture. Enfin, mon moto, du coup, il a pas voulu me la rendre. Ouais, okay. Il m'a dit non, mais sors là et c'est quelqu'un d'autre qui vient le chercher. J'ai dû appeler quelqu'un pour lui récupérer la moto. Oh putain. J'ai essayé de trouver un parking le plus proche de la mairie. Je lui ai dit de te rejoindre à la mairie. Garde-toi plus loin, je prends le volant et tu vas vérifier qui ça. Ouais, ça marche. Après, je sais pas si elle est ouverte la mairie. La mairie est ouverte, mais sur appel, est-ce que vous pouvez aller vérifier qui y a dans le hall? Parce qu'il y a un énorme 6x6 devant et du coup, je ne peux pas y aller avec Harry. C'était pas un 6x6, il y avait que 4 roues, mais. Ouais. J'ai pas ça fait. Marche. Il y avait, en tout cas, il y avait un énorme truc vert, donc. Que ce soit pas les Skulls, quoi. Ah ouais. Mais du vert maintenant, les Skulls? Attends, je vais y aller. Non, c'est peut-être juste les verts. Tout simplement. Oui, c'est peut-être Chakayama. Hein. Ah, c'est bon, ils sont vert-vert, c'est officiel. Je sais pas. T'as venu se présenter, c'est Bléon? Non. Donc, je pars du principe que. Que pour l'instant, c'est. Ah, ça fait comme avec les anciens verts. Hein. De toute façon, c'est une couleur de Bléon, c'est une couleur de Bléon. Hein. Exactement. Ouais, d'accord. Et sur sa moto, il est au téléphone. Un espèce de Camacho noir, oui, noir, dit jaune. Noir et vert, non? Moi j'aurais dit jaune, avec un accent vert. Pour te bloquer, va tout droit. Prêt juste à ta droite. Là? On est caché. Sur la place de parking, comme ça il voit pas le pare-brise. Putain, je vais mettre pour repartir. Je vais me prendre le truc. T'as vu? Du coup, Canette, t'es allé voir dans le hall? J'y vais là. Ah, je crois que c'est Sissi qui est garé devant. T'as pas ça prendre ton médicament? Non. Bah, y a un skull se garé devant la mairie. Ok, bon, on va pas y aller tout de suite. C'est qui? Peu importe qui c'est. Yeah. Oh. Ah, ça casse les couilles. JB qui revient là. Pour s'occuper de votre partie. Ouais. On le convoquera au quartier. J'aimerais bien être là. T'inquiète, de toute façon, je vous emmène après à l'aéroport. J'ai parlé à ma mère du fait qu'il y aurait potentiellement Ouais, il y a monsieur le maire. Un invité. À la mairie, si vous voulez. Ouais. Donc elle a préparé la chambre d'amis. Je suis sûr qu'ils vont bien l'aimer. L'avantage, c'est que moi, quand j'y vais, je prends pas beaucoup de place. Thérèse va me tuer. Pourquoi elle te tuerait? Histoire, je pense qu'elle va pas être fan. Je sais pas ce que je vais lui dire et ce que je vais lui cacher. Encore. Dis-lui la vérité. Elle t'en voudra encore plus si tu lui caches tout. Ou si tu lui mens.
mérite de savoir, je suis d'accord, mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose qu'il sache tout ce qui s'est passé et qu'on a failli sur 3-2? Non, peut-être pas cette partie. Ça, c'est pour ça que je sais pas encore à quel point je dis la vérité, à quel point je lui mens. Ouais, pas faux. Côté, elle mériterait de tout savoir quand même. Tarde pas trop à venir nous voir à Pachoca. Ouais. J'essaierai de passer avec James. Non, tu manques à tout le monde, hein. Ouais, il me manque aussi. C'est terrible. C'est vrai que tu passes à ton traitement. Moi, si tous les matins je dois prendre un avion, t'envoyer un message et retourner à Pachuca, je le ferai. Super. Et que je suis capable. T'inquiète, James, ça se débrouille bien pour ça aussi. C'est pour ça qu'hier tu l'avais pas pris et que tu l'as pas pris aujourd'hui. Pourtant, il me l'a rappelé. Je dirais d'un peu plus forcer la main pour que tu le prennes. Pourtant. Ils sont toujours à la mairie? Non, il y a tout. Il y a le gros 4-4 qui est là, mais je sais pas ce que c'est. Mais la bécane, elle s'est barrée. Si, s'est barrée, a priori. Ok. Putain, mais c'est encore là. T'es de la merde hein, en radio. Non, 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 non. Parler de quelqu'un d'autre. Est-ce que Shaq et Ama te connaissent bien, bien ou... ça... C'est moi qui leur ai donné du boulot. Ils ouvrent leur gueule, je les chope. Ça te va pas la robe. Gueule, Kenneth. Tu vas foutre. Il y a des choses qui changeront jamais. Ouais, même un couteau peut pas changer certaines choses, je suis bien d'accord. Mm-mm. J'aime ce con, putain. Ouais. Oh, c'est un merde là-haut. Ouais. Ah, attends. Oh, faut que je propose ma grosse saucisse au nouveau maire. Ce serait bien qu'ils arrêtent de discuter. Là. Proposer d'aller leur expliquer, mais je crois que ça marche plus trop comme ça du coup. Et bonsoir. Et bonsoir. Yo. Que peut-on faire, bon fou? C'est pour des ventes de véhicules. Ah oui, ok.
Tac. Du coup, tu t'as fait à la mairie? Bah oui, je suis le maire adjoint. Ah, ok. Ah, maintenant il y a un adjoint. Oui. Oh. Oui. Et y a, alors, non, alors. Bah, il y en avait pas quand c'était vous, le maire. Alors, si, il y en a fait une. Ah, si, si, y en a fait une. Ah oui? T'es qui? C'était enfin, qui? Moi, quoi. non, mais elle a d'accord. bien fait son travail, c'est juste que malheureusement. Ah, c'est tellement bien qu'on l'a jamais vu, un fantôme. Ouais. Madame Lanvin. Ah, Madame Lanvin. Oui, oui, mais elle a fait du très bon boulot. Ah, peut-être, oui. Je sais pas ce qu'elle a fait. Mais elle a fait du très bon boulot quand même. Jamie. Okay. Non, non, après, elle a fait beaucoup de choses. C'est juste Walker, pas... C'était moins derrière après. J-A-M. Qui confirmait les projets du coup. J-A-M-I-E. Tout. Ah merde, j'ai perdu le fil du... Vente de véhicules. Des ventes de véhicules. Bonsoir. Félicitations, monsieur Porcher. Merci. C'est beaucoup. J'ai pas voté pour vous, mais bon, c'est pas grave. Ouais, pas voté. Peu importe. Je serais bien venu voter, mais j'étais bloqué à l'hosto. Ah oui, ça c'est embêtant, oui. Au moins, c'est vrai. Il n'y a pas le vote par procuration en plus. Donc ah c'est non. Aussi, pour me faire pardonner, monsieur le maire, est-ce que vous voulez voir ma grosse saucisse? Non. Ça va. Vraiment donner une saucisse là? Qu'est-ce que je fous avec ça? Bah, vous la mangez. Je la mangez, ma saucisse a très bon goût. Ouais. Non, mais elle est dégueulasse, en vrai, elle est dégueulasse. Mais... Quoi? Ah, elle était pas. Alors, j'aime. Ma grosse saucisse. C'est qui, permettez, là je vais juste la poser sur le comptoir là. Je... C'est qui la vendeuse du coup? C'est moi Madame qui Reed. Ouais, je t'inquiète. La vendeuse. Ah oui, je fais pas du tout en ordre, moi, ce que je suis en train de faire. Bon, pif, paf, pouf. Du coup, l'acheteuse. Madame Arquette. On fait pas ça dans un bureau? Ou vous voulez faire dans un bureau? Oui. Ah d'accord. Il y en a beaucoup et ouais. Ça va être un peu long. Alors, vous avouerez que si je reste plus, debout trop longtemps, ça peut être compliqué. Et en plus, monsieur Porcher, est-ce que vous avez réglé mon problème de TAV? Ah, mais il y en a pas qu'un seul. Pas encore. Ouais, TAV, non, mais madame Arquette. Attendez, je vais regarder ça. Rappelez-vous, il y avait un souci de je sais pas quoi. Je vais regarder ça. Et ben, je vous laisse regarder. Je vais. Oui, allez-y, allez-y, je vous en prie. Je vais mettre à jour. À de suite. J'en peux plus. Arquette. Ah oui, on a de gros bureaux là en plus. Siège de merde, j'arrive pas à m'asseoir dessus. Alors venez au milieu là, hein, ouais, on peut bien ici. M'asseoir vraiment. Allez, ici, ouais, vous pouvez vous asseoir là. M'arrange énormément. Tac. Je suis en robe. Ouais, c'est les Jean-Marie. Oh, regarde, je regarde ici, pouf. Non, toujours. Tac, alors. Tout, j'ai des vertus. Arquette. Ah non, mais quel con, c'est avec un H, c'est ça? Oui, c'est avec un H et CK. Ouais, non, c'est... je vous trouvais pas, mais c'est normal. Ah bah voilà. Personne si important et on ne connaît toujours pas l'orthographe de son nom. Non, c'est terrible, il y a toujours eu un problème. Depuis que je suis arrivé ici, il y a un problème avec mon nom. Pas faute de l'avoir répété. Je n'en peux plus. Oui, mais en vrai, on s'est pas énormément parlé, Mata Market. Hein. Non, c'est vrai. Bah, je vous avais menacé quand vous étiez EMS, mais c'est un détail. Ouais, moi on avait fait ça. Pas moi, oui. Si. Moi oui, mais c'est vieux. Ah bah oui, mais ça je veux bien vous croire. Ça date de me... l'été dernier, c'est vieux. Mais si, c'est quand j'étais à l'hosto que tu l'avais menacé. Oui. C'était bon. Ça. Ouais. Ah oui. Ouais, parce que... Vous étiez quoi votre menace? Je sais plus, mais je vous avais offert une bouteille de vin. Ah bah dis donc, la menace... Oui. C'est... Ça c'était pour se faire pardonner m'excuser. De la menace. Ah oui, c'était pas pendant la menace que vous m'aviez offert la bouteille. Okay. Non, bah non. Bon, alors, c'est que la bouteille était dans la gueule, mais c'est plus une de mes techniques, ça. Ah bah non, c'est bon. Frérot, on va voir quand même. Le véhicule, s'il vous plaît. Enfin, le premier véhicule. Le premier véhicule, c'est une club.
va falloir donner les immatriculations et tout. Wow. Oui, c'est pour ça que 5 véhicules, je vous avoue que ça fait un petit peu mal au Luc. Ouais. Rosa, est-ce que tu veux vraiment ces véhicules? Bah, est-ce que je les veux vraiment? Oui, je les veux. Donc, on est bien d'accord que c'est toujours pour la même acheteuse, la même venteuse, etc. Oui. etc. Okay, en vrai, Rosa, tu veux pas mon Faggio Sport? Ton Fa quoi? Faggio, mon scooter. C'est quoi ça? Un Faggio? Celui-là, je l'embarque en vrai. À quel moment? Non, mais tu l'embarques. Tu l'embarques. Et c'est celui que Vincent il m'avait offert. Et bah, justement, alors, tu l'embarques à pas la petite plaque pour la club, du coup. 35cc. 658. 35cc 658. 658. Il n'y a que te lettre. 35cc S 658. Ah, CCS. Okay, CCS. Okay, comme dans aucun monde, un CCS dedans. C'est contre son camp, mais un peu dans le désordre. Merci. Et encore, vous. Le plus frustrant, c'est ma tropos où c'est UUW. À deux doigts d'avoir UU, j'ai trop le seum. Ouais, j'ai le démon. Ouais. Non, mais c'est... Ah non, faut pas faire ça parce que j'aime bien faire UU, c'est très bizarre. Oui, mais en plus, club, faut savoir qu'elle rougit. Ah, mon permis. Oui. Attendez, j'espère qu'il est tout neuf. C'est pas obligatoire, mais on le demande juste pour. Voilà. Ben, j'espère qu'il est tout neuf. Pour casser les couilles, en gros. Oh, normalement, il est quasi neuf. Quasi. Oh, attendez, je l'ai fait tomber. Vous pouvez me la retenir. C'est abusé, hein. Vous, un peu, oui, abusé. Mais. Ah, je sais pas, il c'est. Le fait tomber, c'est vraiment. Toi qui ramasse, hein. Je. Quand même. Punaise. J'avais un tout. Ah, 11. 11, ok. Bah, bah oui, il est tout neuf. Bah, parfait. Hein? Comme ça, tout neuf. Bah, il. Ouais, il est tout neuf d'avant-hier. Ah, purée. Ah, vous avez. Hier. Ok. Je sais plus. Et ah, ok. Bon, bah, posez je pense pas que... de questions. Posez non, pas bon... de questions, Sullivan. Un boulot qui nécessite de beaucoup conduire, donc forcément. Pour que beaucoup conduire, tout dépend pour qui. Certains ont des chauffeurs, mais je m'étalerai pas sur le sujet. J'ai pas de chauffeur, moi, si c'est sous-entendu, non? Ah non, non, c'est moi, d'habitude. Ah, non, ah avec vous, ok. Ouais. C'est rare que ce soit mon volant. C'est rare. Tac. On est le 5. Alors, déjà. Non, ça va être long, Rosa. Bah ouais, faut noter. Alors c'est soit... Ouais, non, non, on va faire comme ça parce que sinon ça va être terrible, terrible, terrible. Je préfère que vous souffriez avec moi que je souffre tout seul, vous voyez. Ah. Dit comme ça. Ah bah, excusez-moi, je le fais. Non, mais souvenez, une excellente soirée en préparation. Mais souffrons ensemble, Sullivan. Bah, allons, après, allons-y. Non, mais on peut parler, on peut faire des petites plaques, on peut faire plein de choses. Attends, faire plein de choses en souffrant ensemble. Non, mais je crois que j'ai bien aimé cette soirée, vraiment. Ah bah là, c'est je malsain, être, quand même, votre je vais être un peu plus libre. Oh, mais non, mais de manière. Oh, mais non, mais. Oh, merci quoi, beaucoup. J'ai de quoi vous attacher. Merci beaucoup. J'ai de la corde. Miguel. Ah oui, non, mais moi, c'est... Non, mais pas au sens littéral. Hein, je... Ah, non, c'est bon. Ouais, je sais pas. Du coup, c'est pas intéressant. Non. Décevant, mais... De toute façon, je vous avoue, je suis très déçu. À 3 mois, peut devenir... Enfin, 3 mois, mon mental, il n'a jamais été attaché. C'est... Oh, non, bah, ça peut se négocier, hein, si vous voulez, Sullivan. Hein. Oui, mais je suis plus mère. Je suis plus mère. Ah, du coup, il y a moins d'intérêt. C'est pas... Vous devez vous asseoir. Les mains. Non, non. Les mains. Non, allez, non, assieds-toi, Harry. Lève les mains. Mène ton cul. Les mains. Ah si, vous faites vous faire mal. Oh purée, allez, je lève les mains, c'est bon. Putain. Vous avez quelque chose pour détacher, hein. Mais... Oui. Arrêtez, je dois faire les véhicules. Arrêtez. Fouille ou pas? Non. Ah non, non, non. Bah, attendez. Elle est très gentille, là, en plus. J'ai plus rien à foutre, après. S'il vous plaît. Comme ça, t'aurais été attaché à la mairie. Voilà. Oui. Ton soin est exaucé. Ouais, j'ai pas apprécié le moment parce que là je me suis senti très vulnérable. C'est exactement le principe. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est le bah but. Oui, je comprends, mais comme je l'ai jamais, ouais, bref. Faut allez. Que j'arrête de faire.
Alors, non, il n'y avait pas la mise en scène et tout ça qui allait avec. Bah oui, vraiment ouais. Charmant. Bah, une prochaine fois. Enfin, non. Non, bah non, bah j'espère pas pour vous. Hein. Non, mais c'était vraiment dans la mise en scène, quoi. Moi, j'aime ça, moi, les jeux de rôle, vous voyez. Je veux pas savoir ce que vous faites de vos week-ends, hein, Sullivan. Vraiment, chose, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Grand chose. Mais c'est tout ça. Bah, non, ma prochaine exemple. Soirée, y a pas de souci. Dimanche soir, par exemple, j'étais voilà hier à la mairie. Samedi soir, venez au Unicorn. Hein. Franchement, ouais. Eh, samedi soir, Unicorn, super, super soirée. Ouais. Moi, je pourrais pas me libérer, mais super soirée en préparation. Soirée, comment ça? Soirée légale? Ouais. Non, mais je sais pas. Mais bien sûr, Sullivan. Je préfère te demander. Monsieur, légal. Bien sûr, c'est totalement légal. Ah, alors du coup, je pourrais venir avec le commissaire, tout ça. Oui. Mais il n'y a pas de souci. Et normalement, le premier véhicule, ça va être... si soit je me la ferme et je fais pas de blagues, ou soit on fait beaucoup de blagues, mais ça va durer 3 heures. Il vous faut pas, il vous faut pas l'épreuve d'achat. Madame... Ah si, merde. Je vous l'envoie quand même, hein, mais... Ah d'accord, on est d'accord. Parce que moi, j'avais plus le véhicule, je l'avais été payé, je me fais reculer, hein, là. Si, voilà. Mais non, mais... Il n'y a pas de souci, mon Sullivan. Que... Non. Mais bon, parce que c'est... on a passé 20 minutes à la banque juste avant pour faire chaque virement bien proprement et tout, là. Comme quoi, vous vous êtes cassé les couilles pour rien. Oh, terrible. Oh, je crois que... Ah, oh, ce mandat de maire à choix, ça va être de la merde. Mais non, allez, on croit... Ce mandat de maire de choix, ça me fait beaucoup rire. Attends... J'y crois. Mais vous savez, alors du coup, vous pouvez me passer tous vos preuves d'achat, comme ça sera... À tous sera... Eh ben, je vous les donne tous. En même temps. Ok. En vrai, très bien. On envoie tout d'un coup et on s'en bat les couilles de ce qui est au milieu. Hein. Bah, trop tard. Oh, tu nous fais... Trop tard, ça fait trop mon tard. Mail, tout ça, c'est bon, ouais. Bah, je suis en train de tout vous transmettre, là. Ah. Oh, pardon. Je suis pas trompé de personne, normalement, hein. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est parce que bon... Ça aurait été très con, quoi. Ça serait très con. Bah, après, ouais, oui, oui. Très bien. Voilà. Ah, putain, j'ai oublié un truc très important, j'avais pas demandé le prix. Eh, je fais n'importe quoi, gros, là. 4, 4, le prix de la classe, du coup, vous avez mis... Ah, attendez. Ah non, le okay, prix d'achat, noté. Là, c'était à 25 000. Et le prix d'origine, c'est 46. Ouais, ouais, ce qui m'intéresse, c'est le prix que vous vantez, du coup. 25, c'est ça, pour la pop-up. Oui. Oui, bah vous avez tout avec le petit café, descriptif, tout ça. Oui, c'est frais, on ferait. Ah, j'ai pas la plaque d'immatriculation, par contre. Ah, c'est dommage. Ah bah, hey. Mais, oh, c'est vrai qu'à côté du nom mais du c'est vrai véhicule, que dans le libellé, j'aurais pu mettre la plaque. Ah, c'est ouais, fait ouais, d'effort, c'est... franchement, Rosa. Aucun effort. Non, non, ouais, mais aucun effort, là. Je sais bien. Alors, du coup, deuxième véhicule. Sera copier-coller, comme ça, j'aurais pas... Franchement, prends dans l'épreuve d'achat et je te donnerai la plaque. Prends celui qui... Allez, qu'est-ce que tu veux, là? Qu'est-ce que je veux tout qu'on fait prendre, là? Ah, la Messa. Messa. Pas de blague encore. Mais... 13 IWP 145. Mais c'est très bien, j'ai rien écouté. Attendez. Nickel. Attendez, quoi? Hein, quoi? Au moins, vous voyez moi quand vous m'insultez. Ah, donc t'écoutes mais quand tu veux. Bah oui, faites faire foutre, je l'entends très bien, c'est très bizarre. Ouais. Père. Oh, c'est marrant ça. L'ambiance. Ah bah on écoute ce qui nous arrange. Ouais. Oh, oui, bah, mais vous avez un animal empaillé là-bas. Quoi? Oui mais alors c'était avant le maire, je l'ai pas retiré. Est-ce que vous m'autorisez à le prendre en photo? Il est incroyable. Hop, oh, bah, oui bien sûr. Oh j'adore. Que le l'héron hein. Oui bien c'est sûr. Bien sûr, le petit héron, petit patapon. Oh, sortez-moi de là. Pourtant, je suis chèvre. J'ai même pas le droit de filmer pour oublier. Ah, oh, c'est incroyable. Cette photo est incroyable. C'est bon. Allez, plaque d'immatriculation pour la Messa. 13 IWP 145. Parfait. 13 IWP comme... Prout. Prout, parfait. 145. Ah, vous saviez que Prout, c'est un fleuve en Moldavie. Merci pour tout. Je suis ravi de le savoir. Mais non, mais c'est hyper intéressant. Vous venez de refaire ma soirée. Hein. Ouais, ça valait qu'on convienne, on n'aurait pas su ça, là. Vraiment, je... Ouais. Mais non, mais... Ouais, bref, ok. C'est une longue soirée. C'est une très longue soirée, putain. Ouais, ouais. Tac.
145. Mais non, là, ça va être plus rapide du coup. Regardez, vous allez voir. Le pas besoin de me le dire. 60 000. Tac. Oh, bravo. C'est bien. Ah oui, j'ai pas demandé, vous êtes tous les deux consentantes, contentes, tout ça. Contente, oui. On est consentantes de l'achat, quoi. Voilà. Ouais. Ouais. Le ouais, il est un peu crispé, quand même. Oh non, non, je suis ravi. Ok, bon, parfait, du coup. Tapapapouf, ok, bah du coup, il me suffit de faire le petit. J'espère, genre, Rosa, que t'es contente d'acheter mes merdes. Mais totalement. Surtout ta grosse merde de Messa. Vraiment, je... Je sais que tu détestes ce véhicule en plus. Putain, je peux pas le voir. Mais en plus, en vrai, ça me fait chier que j'ai besoin de thunes, parce que ce Messa, normalement, je voulais l'offrir à quelqu'un que j'aime bien, mais bon, tant pis, hein. J'ai besoin d'argent. Hein. Merde. Hop, et du coup, le deuxième véhicule, je vous donne la deuxième plaque, enfin la deuxième carte secret. Pif, normalement c'est bon, regardez, ça va être rapide, paf, 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 pif, paf, pouf. Et on n'a même pas fait la moitié. Attendez, ça va, on passe un bon moment, allez, entre les proutes, entre la Moldavie. Non mais si vous lâchez un peu pour rigoler, moi y a pas de souci, je vous lâche une caisse. Non. Arme bactériologique. T'es déjà en train d'en lâcher 5 là, c'est bon. T'as vu, je l'ai lu le livre. Mais dans le tas, il y a une moto, alors, ça marche pas. Ah qu'est-ce merde. Que c'est pour les ah. Mais non, oh, je pense avoir compris. Non, mais tu t'améliores, Rosa, je suis fier de toi. Ah oh, putain, j'en peux plus. C'est vraiment compliqué. Alors, hey, tu m'as pas vu quand j'essaie de faire des vannes en espagnol, je suis pire que toi. Hein. Alors. C'est pas faux. Enfin, j'essaie de faire un jeu de mots à Teresa, elle m'a regardé avec des yeux. Je crois qu'elle a perdu tout amour envers moi. Ah, mais c'est sûr. Mais ça va, j'ai su me rattraper. J'en doute pas. Je connais tes capacités. C'est... Troisième véhicule. Tout va bien de votre côté. La Tropos. Ah, oh, la Tropos. Mon bébé. Oui. C'est Tropos Rally, on est d'accord? Oui, c'est une Tropos. Okay, okay. C'est mon bébé. Que la Tropos Rally est le véhicule qui a motivé les organisateurs à créer le groupe B, qui était la meilleure période de rallye entre 80 et 86. Ah, bah je savais pas. Bah maintenant vous le savez. Ok, bah, vous savez, c'est un peu comme le fleuve Prout pour vous. Je pense que je m'en fous un petit peu. Ah bah parfait. Bon, excusez-moi, c'est dangereux. Non, en vrai, c'est hyper intéressant parce que j'ai rien compris ce que vous me disiez, mais c'est hyper intéressant. Gagnez-vous sur le groupe B. Les meilleures heures du sport auto. Je suis pas trop sport auto, moi. Groupe B, on est forcément fan. Ah bon? Prenez des débiles dans des voitures de débiles sur des routes de campagne. Ah non. Et notamment, il y avait un jeu des spectateurs qui était se mettre au milieu de la route et se jeter au mauvais moment. Tous les ans, il y avait des morts. Mais c'est dangereux! Et aussi, le but, c'était toucher la voiture, du coup, il se faisait arracher des doigts. Oui, c'est ce que je dis, oui, c'est dangereux. La plaque. Quel véhicule? La Tropos. La Tropos, ouais. 93 UUW 846. Fun fact, le groupe B a connu Michel Mouton, qui était une femme, qui a tout défoncé, qui était trop forte. Bravo, elle. C'est quelle année, ça? Michel Mouton, c'est fin groupe B, donc ça doit être 85-86. Ah, ok. Une grande femme. Mais tant mieux, hein. Oh, c'était une blague. Mais oui. C'est en rapport avec Michel Mouton. Ah, oh, je n'en peux plus. Elle est incroyable. Incroyable. C'est moi. Ah, alors, du coup, la 93 UU W 846, c'est ça? Ok, parfait. Bah, du coup, on va faire la même chose. Tac. Toujours consentant de tout le tralala. C'est 150 000, hein, on est d'accord? Oui. Vas-y donc. 150 000 ne peut pas rembourser l'amour que j'ai prouvé envers cette bagnole, que j'aurais revendu tous les jours pour une GB, mais ça n'a rien à voir. Hop. Et du coup, voici la troisième carte grise. Oula, let's go! On a fait la moitié. Voilà, tu as à présent une voiture d'élite. Exception, qui va bien. Tu feras gaffe, Rosa, dans le coffre de la Tropos,
j'ai toujours mon mini frigo. Mm-hmm. Et dans les 10 cafés, il y en a 5, c'est bon. Enfin, il y en a la moitié, c'est bon, mais l'autre moitié, j'avais pissé dedans pour les flics. Je les jette tous dans le doute. Ah, parce que je sais plus lesquels sont lesquels. Ouais, je vais les jeter tous. Après, si tu goûtes, tu le sauras vite, mais bon. Oui, mais non, c'est... non. Vous savez que l'urine, il faut le boire avant les 15 minutes. Ça fait 2 semaines, le bus était cherché. C'est vraiment le rendez-vous des anecdotes, là, ou ça se passe comment? Bah, je vais pas vous cacher, j'ai une petite culture, donc j'en profite un peu. Ah oui. Le but, c'est de balancer des fun facts à la con, je peux en balancer. Est-ce que vous connaissez la vie sexuelle des punaises de lit? L'histoire où il baisse dans le ventre de la mère avant de naître? Non, l'histoire où il perce la coque et peu importe si c'est un mâle ou une femelle derrière. Oui. Oh, c'est trop bien, c'est hyper égalitaire. Non, c'est que des viols. Non, c'est des viols. Ah, ah oui, non, mais parce après... Donc c'est terrible. Hein. Non, c'est terrible, c'est terrible. Oui, ok, dans ce sens-là, oui, ok. Mais ok, oui, dans ce sens-là, j'avais pas. Voilà. Du coup, je retire ce que je dis. Il y a un autre petit insecte, je ne saurais plus trouver le nom. Mais en gros, tu as la mère qui est enceinte. Les bébés à l'intérieur vont copuler entre eux. Et du coup, quand elle va donner naissance au bébé, ça sera que des filles enceintes. C'est pas une araignée, ça? C'est je ne saurais plus dire, c'est un insecte ou arachnide. C'est efficace. Ou un peu du genre. C'est efficace, coup, les mâles ne naissent jamais parce qu'ils meurent dans le ventre de leur mère. Et les femelles naissent enceintes. Ah ouais, en fin de compte, ils propagent leurs semences quand ils meurent à l'intérieur, en gros. Mais non, en gros, quand bébé dans le ventre de la mère vont copuler entre eux. Ouais. Dans le ventre, avant de naître. Ah putain. Avant de naître. Et une fois qu'ils sont sortis, en fait non, c'est qu'ils sont en état de naître, ils copulent, puis ils sortent du ventre de la mère. L'abdomen fait bref de l'endroit. Et du coup, les mâles meurent instantanément et les femelles survivent quelques jours et puis donnent naissance à la génération d'après, etc. Donc il n'y a pas de reproduction visible. Ok, bah dis donc. Non, mais on en apprend tous les jours. Hein. Ah bah oui. Hein. Ouais. L'aspito, c'est bien une voiture, on est d'accord? En van. Oui, ok. Plaque d'immatriculation. Tu n'as pas de soucis. 83 TSC 832. 800 combien? 832. 832 okay. Genre 1, 8, 1, 3 et 1, 2. C'est le... C'est le 7 et le 8. T comme Titi et Crouminet. Ouais. S et C. Oh, comme ça, salope. Ça. Oui, et non, c'est comme couille. Très bien. Ok. C'est parfait. Hop. C'est mon surnom. Non. Pardon. Genre au unicorn, on va vous appeler couille. Ou salope. Du coup. Parce que du coup, j'ai pas trop suivi. Non, c'est ça. Non, bien. Ouah! C'est un strip-teaser. Ah, on en apprend tous les jours. Mais vous savez, si vous voulez une petite anecdote sur bah, du coup, le meilleur choix, moi-même. Bah, quand j'étais petit, j'étais avec tes strip-teasers. Enfin, non, mais non. Attends, je suis plutôt gâté pour moi, ça. Hein? Alors, du coup, 90. Bah, non, vous avez commencé. C'est quoi ce tease, là? Bah, non, bah, je faisais mes devoirs dans un club de strip-teasers, quoi. Oh, j'ai été fait par des strip-teasers. Non, moi, j'étais la fille qui faisait passer de loin. Ah. Comme quoi. Hein. Plus, c'est... Ah non, oh non. Oh si. Oh non. Oh. Ah. C'est vrai, hey, Rosa, avoue que mes lunettes, ça me rend vachement plus sérieuse. Oui. On est bien d'accord, c'est 86. TSC 832. 23. À 33. Tiens, non, là, Emilie, elle s'arrête pas, c'est bizarre. 32. T'as dit 32. 83 TSC 832. Ah, 83. Ah, ok. Ah. Pourquoi j'ai mis 86? Dissipé là. Alors, du coup. Ah, juste, imagine, pour X ou Y raison, là, on doit annuler les ventes. Je pense Hop. Que Sullivan saute par la fenêtre. Ah non, non on va pas faire ça. Non. Bah, en vrai, oui, je craque. Je pense que je craque, mais bah, pas très grave. Je vais juste crier, quoi. Mais ça va, il reste que la bonne chaise. Et la bonne chaise, c'est une moto, c'est une ça. Une moto. Petite moto. Excellente moto que j'ai eue à un excellent prix.
Oui, grâce à une fin négociatrice. Qui a su utiliser les bons arguments. Ah oui. C'est... Okay. Et je suppose que c'est vous, Mata Marquette, la négociatrice. Exactement. Ah, vous voyez bien. Et il n'y avait pas de pistolet dans l'affaire. Et franchement... J'ai rien dit. Ah, ok. Alors, presque triste. Mais t'es très... T'as eu à négocier pour la racheter. Non. Hop. Attendez, j'ai un petit creux. Parce que ça serait con quand même que juste à la dernière. Ah oui, non, faites pas malaise. Hein. Oula, non, pas avant la oui, dernière. Oui, bah oui, parce qu'à force de regarder mes documents... T'as avoir écrit la main de chaise. Alors ouais, là, j'étais pas sûr du prochain, là. Que, au contraire, j'allais peut-être même pas finir le... Ah oui, non, ça aurait été embêtant. On a bientôt fini. Hop, attendez, je crois que... Ouais, parfois, ça peut être trop long, malgré ce qu'on dit. Ah, bah attendez, c'est très rigolo. Ah non, c'est bon, j'ai cru que mon téléphone m'a fait lâcher. Alors, on est sur la Manchès, qui était à combien déjà Manchès. C'est pas Scout, hein. C'est Manchès... Non, c'est une Manchès, tout court, qui est à 25 000. Et du coup, 25 000. Ah, tout, j'ai récupéré un beau billet ce soir. Et voilà, du coup... Un giga chèque. D'accord, j'aurais pu les vendre à plus cher. Hein. Et du coup, c'est il faut trop permis, c'était 11 également, je crois, pour la moto, donc dans tous les cas, ça change pas. Hop, et la petite bien plaque. La Manchès, c'est 97YYG314. Et ben c'est parfait. Et du coup, on va pouvoir finir et conclure. Enfin, oui. Hop. Non, on y a passé moins d'une heure. Non, c'est bien. Bah quand même, mon frère. Et normalement, tout est ok. Nickel. Oui, go. Et je vais pouvoir vous libérer. Tac. Hop. Prêt délivré, je ne vendrai plus jamais. Hop. Et voilà. Ah, c'est parfait. Tac. C'est tout bon ou comme ça on fait tout non, en bah même temps c'est... Ou... Bah c'est tout bon, je crois que Porsche est en train de regarder mon histoire de TAV, je sais pas quoi là. Oh bon, je lui laisse la merde du coup. Ok, nickel. Oui, exactement, puis je pense même que je vais... Mère, hein, je vais fuir, je pense même. Fuyons. Dans tous les cas, dans tous les cas, on vous appellera. Hein. Oui, bah oui, je sais, hein, j'ai 3 mois de retard, je crois. Ah. Ah bah je vous conseille quand même de... Ah, il m'a dit que j'aurais pas de malus. Ah bon? Oui, oui, oui. Vous avez une bonne raison, du coup? Aucune. Mais pourquoi vous aurez pas de malus? Alors, c'est l'accord avec monsieur le maire, je m'en bats les couilles. Ah, d'accord, bon, bah, c'est l'accord. Bonne soirée, Sullivan. Bonne soirée. Pourquoi t'auras pas de malus? Je sais pas, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, faut faire gaffe, il y a Sissi qui tourne, apparemment. Quel enfer, putain. C'est lequel le tien? C'est celui avec les... Bande blanche. Moto à gauche. Ouais. Attends, il y a Sissi devant la mairie. Devant sur votre côté. J'ai une moto à gauche. Enfin, okay. Juste en face de toi. Le bowler gris là. Ouais. On va aller dans le hall là hein. Non, il va nous voir. Dans le hall, il y a Cass, un mec que je connais pas. Pas fan. C'est Jamie. Jamie. Oui, Jamie, le frère de Canette. Il est revenu ce blaireau ? Ouais, il okay. Est revenu. Et là, qui est derrière nous, je sais pas qui c'est. Je sais pas. J'aime pas ça, il bouge pas ce putain de bowler. Il se garait, hein. On se fait perspectiver dès qu'il est garé. Ça, c'est un retard. Bon, on se casse. On se casse très vite. Ah non, c'est bon. Il arrive. Ça fait ça. Ouais. Putain, Ariane, tu grimpes sur la bécane. Alors, là, tu grimpes, elle ne montera tout de pas, suite. Elle est avec moi. Toute. Elle est je avec shoot, moi, rien je, à fais, je fais ce que j'ai à faire. Toute. Oh, Ariane, tu montes sur la bécane arrache tout toi, de suite. Arrache-toi de là. Allô.
Si, si, fais pas la conne. Si. On se dépêche. Je peux pas courir. Devant la mairie. Vraiment, devant la mairie. Et tu penses que c'était Sissi? Je pense que c'était Sissi. Ok. Je vais essayer de faire c'est un dans la merde. Tour. Pas que je conduise, vraiment. Ouais. Quartier, hein. On va aller au quartier, on va appeler JB. Je peux lui dire d'y aller déjà. Jules, t'es où? T'es encore à la mairie? Affirmatif. Ok. Canette, retour quartier, JB va arriver. C'était quoi? On s'est fait braquer par un Skulls juste devant la mairie, au niveau des escaliers. Tout va bien? Je sais pas c'était quoi son plan. Ouais, tout va bien, tout va bien, tout va bien. On a toujours Harry avec nous. Par contre, du coup, on a dû braquer un Skulls. Ah. Dis à JB de venir? Ouais, tu peux lui dire de venir. Il prévient juste quand il arrive au niveau du carrefour ici. Si c'est lui ou pas, je connais ses véhicules. En plus, à quoi elle joue cette pétasse? À quoi elle joue? Je sais pas c'était quoi son plan vu que tu lui disais nope. Mais c'est je surtout que de base. Que son objectif c'était pas. De base, le deal. Tu veux une chaise? J'ai une chaise. Si tu veux. Le deal de base, c'est vous chopez Harry, vous me la livrez vivante. À quel moment il y a besoin de te livrer vivante si t'es là? Bande de cons. Peut-être que le but c'était de... Putain, faut pas que je m'assoie comme ça. Non, je suis pas habitué aux robes. Tu veux une chaise? Oh, je veux bien, pitié. Vas-y, attends, on va se mettre là. Pour pas gêner le garage. C'est vrai que c'est très douloureux. Merde! Attends, t'inquiète. Merci Rosa. Et je sais pas c'était quoi son plan du coup. Je sais pas c'était quoi son plan. Ou alors? Ah, oh, je sais. Allez, allez. Ils avaient allé demander de la thune pour Ils allaient me demander de la thune. Ah, c'est sûr. Ah, c'est sûr qu'ils allaient nous la mettre à l'envers. On peut pas faire confiance aux Skulls. Quel petit. Ah! Y'a pas de soucis, viens! Non, mais. Non! Y'a pas de soucis, mais juste préviens, quoi! Non! On peut que ça sorte 4 pochons sur moi, mais ça, c'est annexe. Putain, mais devant la mairie. C'est le moment où je vous ai dit que j'en ai encore 50. Let's go. J'en ai filé à des gens comme compensation. Oh, Rosa? Ah, et je suis bête. Ah oui. J'ai oublié de te les rendre. C'est vrai. Alors, même si en soi, celle-là, c'est la mienne, parce que celle que j'avais prise, je l'ai filée à JB parce qu'il en avait pas. Putain. Mais il en a... Attends, il est à l'Emerald et il en a pas? Il en avait plus, vous lui avez volé. Ah oui, c'est vrai. Je sais plus ce qu'on fait. Hein. Mais non, mais... Non mais toujours, préviens avant, y'a pas de soucis. Non. Je vais pas réussir à fumer ma clope, hein. Terrible. Ah, fume là, loin de moi. Voilà, je me mets là. Et JB arrive dans 5 minutes. Ok.
Vraiment, Skulls de merde. T'es sûr que Jimmy me tombe sur la gueule ce soir? C'est sûr. Oh, 23h, j'ai rendez-vous avec la Chanel, là. Putain. Chanel? Lolita Chanel. Qui cette pute? La meuf du unicorn. Ah, ok. Lolita Chanel. Lolita Chanel. Unicorn n'a pas appartient à un gros bourge de merde comme ça. Oh, ça me dégoûte. Ouais. J'aime moins l'établissement tout d'un coup. Ouais, tout le monde que un accord a été trouvé, basta. Ceci. Je viens d'envoyer un message à Jimmy, à Romano. Je lui ai dit recherche stoppée, on l'a, elle règle sa dette. Voilà. Basta. Et il rappelle ses putains de chiens de merde là, ces chiens rageux. C'est un filou qui m'a dit oh, en fait, t'es au courant d'une chasse à l'homme, enfin une chasse à la femme. J'ai dit, ouais. Ça tourne vite là quand même. Et je dis c'est qui t'a dit ça? Il me dit ah, c'est les mecs en rouge. Je dis, ah bah étonnant. Pourquoi ils ont même pas bougé leur cul? Non, du coup, j'envoie un message à Bobby. Je lui dis recherche sur Harry Terminal. Tu préviendras Shakayama? Je les ai prévenus, je leur ai dit que c'était bon, on avait trouvé. On avait trouvé un enfin, bref. Okay. Je cherchais plus. On je crois aussi. Qu'on n'avait jamais réussi à choper Ivy et Isaiah, donc je pense que c'est pas la peine. J'y vais, arrive. Ok. Et je crois que c'est tout. Ah, je vais dire à Anako, même s'il est pas là. Ouais. Faire plaisir à JB. Tu vas mettre ton putain de casque. Je vais avouer que c'était toi la licorne. Bordel. Bah c'était moi aussi. Du coup, vu qu'il était plus à l'émeralde. Je lui ai dit, je l'ai remercié pour les quelques mallettes qu'il nous a données. Quelques. D'ailleurs, sachez-le, quand on a chouré le pony, on n'a pas pris le bon. L'autre à côté, il était full perf. Merde. Oh, fait chier. Ouais. Comment ça, ils ont des ponies full perf? Ils en ont un full perf qui était présent, mais c'était le deuxième, j'ai trop le seum. Oh, on a pris celui qui était nul. Voilà. Je tourne la ville avec ça. Et du coup, il m'a dit ça en se foutant de ma gueule, j'étais en mode salope. Une consommation soft ou alcool offerte par client jusqu'à 23h. Elle me rappelle. Ouais, ça fout. On rentre, j'y suis, on t'attend. Super. Il est là. Ok. Ouais, il a une bagnole verte. Tranquille. Normal. Ouais, non, mais t'inquiète. On la connaît bien, la bagnole. Vous l'avez un peu vu hier, c'est pas faux. On est d'accord qu'il a son billet hein, pour ce soir. C'est bon, je vais s'occuper de ça. Ok, parfait.
Il a intérêt à t'aider à prendre soin de ma famille. Hein. T'inquiète pas. Nickel. JB. Salut JB. Souvenir, ça a la licorne de 9 mm. Bordel. Je les aime bien. Oui, bon après. Ça va. Jules, t'as bientôt fini ? Oui, bientôt. Ok, et eh ben on t'attend au quartier. On va juste attendre le dernier. On t'avait laissé ton 9 mm la dernière fois, non ? La première fois, oui. Ok, donc on te l'a pris la dernière fois. Donc t'en as plus, là ? Là, j'ai plus rien. Tu peux me fouiller si tu le souhaites. Il y a juste moi qu'on est. Hein. Si tu veux me fouiller, il n'y a pas de souci. Mais non, je n'ai rien sur moi. Non, je te fais confiance. Pareil. Harry, du coup, je pense que t'en auras pas besoin, Pachuca. Pour toi, le flingue, t'inquiète. Du coup, pour régler la dette de JB, tu me fileras ton flingue. Je mets dans le coffre. Yes. Pourquoi t'as pas réglé ma dette à moi ? On peut tirer dessus hier. Ouais, je suis pas, comme je t'ai dit au téléphone, Kenneth, je peux pas dire que je suis désolé. Si, je dirais parce que je lui ai demandé à Kenneth. Oh, attends, ta gueule. Déjà, tu peux dire désolé. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai peur que ça soit sans valeur. Je suis désolé, sincèrement, Kenneth. Mais non, ce serait sans valeur. Je sais pas, je t'ai tiré dessus, tu pourrais quand même m'en vouloir. Oh, qu'est-ce qu'il veut, Sissi, putain. Encule-le, lui, sinon c'est moi qui vais. Rosa. Oh, ouais, dis-moi. Oh, ma tête. Mettre les choses très au clair. Ouais, vas-y. Je pensais que en tant que personne qui était aux premières loges de cette affaire, tu serais au moins au courant de tous les putains de tenants et aboutissants de ces conneries. Bah vas-y, donne-moi les tenants et aboutissants de cette connerie comme tu veux. Non, je vais pas te les tenir parce que même toi, t'es pas au courant de ces merdes et que t'as aucune raison d'être au courant de ces merdes et que tu devrais même pas être au courant de ces merdes et que si je savais que c'est... Ok, abrège, j'ai pas le temps. Écoute, range ton ego de côté, c'est plus fort que toi, c'est plus gros que moi, c'est plus gros que de moi, c'est plus gros que toi et c'est plus gros que Jimmy, tu comprends? Ok. Mange ton putain d'ego de côté parce que je te parle pas suffisamment bien que tu veux me raccrocher à la gueule. Parce que là, ça te dépasse totalement, tu comprends ça ? Ouais. Après, sans explication, c'est sûr que c'est un peu compliqué, mais... Les explications, je vais te les donner si tu te calmes tout de suite et que tu m'écoutes. Oui, bah je suis en train de t'écouter, là. Bien. Et très certainement au courant d'un truc que même toi, t'es pas au courant. Ok ? Quelque chose de plus gros que toi, quelque chose de plus gros que moi, quelque chose de plus gros que compris, tout ce genre de choses. Pitié. Ok. Tu la laisses partir, tu vas faire prendre l'aéroport tranquillement. Bon, ça, c'est ton choix. Si tu lui fais confiance pour fermer sa gueule, ok. Ok. Cette histoire qui est plus grosse que toi, elle te dépasse sur plusieurs niveaux. Ça concerne pas que ton groupe, ça concerne aussi des personnes liées à toute cette affaire. C'est-à-dire ? Donne-moi des noms. Tant de personnes. J'en ai
Baptiste de Bleu Ciel, tu vois qui c'est? Ouais, de Bleu Ciel, ouais. Ok. Antoine Dubénis, tu vois qui c'est? Effectivement. Je me rappelle que c'est moi qui ai mis leur tête à prix. Je sais. Bah justement, tu vas tout de suite retirer ces putains d'annonces. Cette affaire est réglée. Avec Harry, je m'en branle, hein, qu'on soit clair. La personne qui vous a braqué, là, c'était moi. Je vais t'avouer le truc, hein, c'est simple. Je voulais récupérer Harry parce que je pensais que ça mettrait les choses plus simplement pour avoir une discussion avec toi. Ok. Mais tu sais qu'on est toujours ouvert à la discussion. Oui, alors ça, permets-moi d'en douter. Ok. Il semblait qu'on avait toujours fait nos preuves là-dessus, mais ok, non, mais très bien. Oh, pas avec moi, et puis t'inquiète, je te connais. Hein. Ouais, justement. Ouais, donc. Voilà ce qui se passe. Eux là, tu vas retirer leur tête à prix tout de suite. Ok. Enfin, tout de suite, après cet appel. Mm-hmm. Parce que comme je te dis, ça, c'est au-delà de tes compétences. C'est au-delà des compétences des forces Aken. Et de toute façon, visiblement, toi, t'as eu ce que tu voulais. Hein. Mm-hmm. Je t'ai vu avec ton petit collier en petite robe là. Effectivement. C'est une affaire qui n'est pas du ressort des forces Aken. C'est les Skulls qui vont prendre le relais là-dessus. Sûr, j'ai bien Antoine. Et Antoine, ouais, c'est exact, c'est ça, JB et Antoine. Ok. Donc tu leur fous la paix, tu t'approches pas d'eux à moins de 50 mètres, à moins de 100 mètres, et surtout tu leur causes pas parce que. En même temps. Il faudrait pas qu'ils arrivent à parler si ça ne part. En même temps, parler avec un fantôme, c'est très compliqué. Écoute, eh ben heureusement que c'est un fantôme. Et si les Skulls lui mettent la main dessus, crois-moi, ce sera un fantôme de plusieurs manières, si tu vois ce que je veux dire. Donc vous recherchez Antoine aussi, si je comprends bien. Et JB, par contre, qu'on soit clair, nous on va pas mettre sa tête à prix, personne. Et je compte sur toi, et j'espère que t'es pas entouré de tes hommes qui sont en train de t'écouter là. Ah non, jamais. Très bien. Tout simplement parce que je te fais confiance, parce que, pour une raison très simple. Hein. Mm-hmm. Confiance parce qu'on est dans le même milieu. On sait très bien, toi et moi, que si je sais ce que tu fais, tu sais ce que je fais. Ouais. Si un jour je pète une durite, je peux te faire tomber. Si un jour tu pètes une durite, tu peux me faire tomber. On est d'accord. S'en branle du respect, qu'est-ce que s'en branle de ça tant qu'il y a ça. On est d'accord. C'est pas le but, sachant qu'on fait du business ensemble. En plus, il y a ça aussi. C'est vrai que j'oublie toujours, ça me fait toujours aussi mal aux couilles parce que bon. On est d'accord, hein. T'inquiète. Ça, c'est pas le problème. M, c'est que ça doit absolument pas sortir. Absolument pas sortir qu'on les cherche, ça doit absolument pas sortir qu'ils sont cherchés. Ces deux-là, il faut que pour l'instant, ils soient invisibles aux yeux de tout le monde, tu comprends ? À part de nous, bien sûr, parce que nous, on est au courant. Mm-hmm. Ok. Je compte sur toi. Et je compte aussi sur toi sur un truc bien particulier. Vas-y. Si tu tiens à ta vie, parce que crois-moi, c'est peut-être de ta vie qu'il en dépend. Ok. Ne te mêle surtout pas de cette affaire. Oh, j'ai pas que ça à faire. Hein. Tu sais, j'ai un milliard d'affaires à gérer. Hein. Bah, très bien. Gère tes petites affaires. Les affaires des Skulls, hein, chez les vaisseaux Skulls. Non. Voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire, étant donné que je te connais, d'ailleurs, là, quand j'ai commencé à taper, bon, j'ai dit bonjour, après, je t'ai un petit peu parlé, un peu de manière virulente. Ça t'a pas plu? Ça te plaît pas? C'est le genre de personne à qui ça plaît pas, ça, on est d'accord. Ah bah en même temps, chacun doit rester à sa place, on est d'accord. Oh, moi tu sais, je vis dans un monde où les gens n'ont pas spécialement de place, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'ai pas d'art dans ma vie. Mais ouais. Bon, ça, mais c'est là où question. Du coup, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que même si Antoine c'est une petite merde, même si JB c'est la pire sous-merde que t'aies jamais vue sous ta chaussure, et même s'ils t'ont mal parlé, même s'ils t'ont manqué de respect, il va falloir que tu t'assoies là-dessus, au moins pour l'instant. C'est noté. Et est-ce qu'on est clair? C'est bon, j'arrive. On est très très clair. Okay. Et méfie-toi, hein. J'ai mes yeux et mes oreilles partout. Si j'apprends que tu les as pas retirés, leurs avis de recherche, là. Parce que crois-moi, hein, je sais à qui t'as demandé. T'inquiète. Et qui c'est et tout. Donc voilà, cette affaire, tu t'en mêles plus. La tata Ariana, c'est très bien. Je suis contente pour toi. Qu'est-ce que t'en fais si tu veux? Bouffe-la, bute-la, fais-la sortir, marie-la, remue-lui une veste, j'en ai rien à foutre. Sauf si elle reste en vie, j'en aurais peut-être quelque chose à foutre et je devrais parler avec elle parce que j'ai très peur qu'elle soit peut-être au courant de cette affaire. Mais voilà. Ok. C'est noté. Sois clair. On est clair. Est-ce qu'on est clair? On est très très clair. Très clair? Il n'y aura aucun souci avec prétexte. Nous, comme il n'y a jamais eu de souci avec nous. En tant que Skulls. Parce qu'avec moi, en tant que personne, on est d'accord qu'il y a eu des soucis. Mais on est d'accord, on est totalement d'accord. Hein. Ah, bah, je pense que de toute façon, l'entente ne se fera jamais entre nous. Qu'on soit bien d'accord. Mais j'en ai rien à foutre. Moi, c'est avec ton groupe que je fais du bise. C'est pas avec toi. Exactement. Donc, d'accord, Tata Ariana, les deux autres par contre. On est d'accord.
Évidemment, tu les évites de prévenir Ariana parce qu'elle risque de les prévenir. C'est noté. Et évite de prévenir n'importe qui de ton groupe. C'est noté. J'espère sincèrement pas me la foutre à l'envers sur ce coup-là. Enfin, nous la foutre à l'envers parce que. Et par nous, je veux pas dire que moi et les Skulls. Hein. Par oui, nous, oui, je veux dire moi, les Skulls. Claire Rosa. C'est noté. Claire Rosa. Bonne soirée. Et bah, bonne chance. Je me disais aussi. Une belle cuisson comme ça. Quoi, Harry, t'arrives à te lever 5 minutes pour qu'on parle d'un truc. Je peux pas me lever 5 minutes. Je viens d'avoir une discussion avec Sissi. Est-ce que t'es au courant de quelque chose au sujet de JB qui concernerait les Skulls? Non, t'es au courant de rien? Là, comme ça, je vois pas le rapport entre JB et les Skulls. Dire plus? Non, je peux pas t'en dire plus. Si tu n'as rien qui te vienne en tête, je te fais confiance. Mais du coup, il y a JB qui a fait un truc avec les Skulls. J'en sais rien. J'en sais rien. Mon JB me dira la vérité. Si je lui parle ça à la salle. Non. Non, non, non. Non. C'est pas grave. C'est pas grave puisque de toute façon vous allez prendre l'avion. Donc tout va se dérouler comme sur des roulettes. Kenneth a fait ce qu'il devait faire avec JB. Ok. Et d'ailleurs est un sacré connard, putain. On est d'accord que personne n'est au courant que JB prend l'avion ce soir avec toi. Je présume qu'il a dû dire au revoir à certaines personnes, mais à part ses proches. Ok, c'est qui ses proches? Il y a Emily. Pas du tout s'il en a parlé, mais je présume qu'il lui en a parlé. Emily, je dirais Vic Chardon, mais je ne sais pas s'il leur en a parlé et ce qu'il leur a dit. Je vais lui demander. Je vais lui demander. JB, dis-moi, petite question. T'as parlé à qui du fait que tu prenais l'avion ce soir? Pour l'instant, personne. Emily est pas au courant? Personne n'est au courant que je prends un avion ce soir. C'est parfait. On est d'accord que tu vas prévenir personne? Préviens personne. S'il faut que je te prenne ton téléphone, je te prendrai ton téléphone. Pas de souci. Ok, parfait. Je préviendrai personne. De toute façon, ceux à qui je voulais entre guillemets dire au revoir, j'aurais déjà dit il y a 2 jours. Donc là-dessus, on est bon. Ok. Tu leur as dit que tu partais seul, que voilà. J'aurais rien dit, j'aurais dit juste qu'on se reverrait, on se reverrait pas pendant quelques jours. Ok. Parfait. Pas dit que je partais quelque part ou quoi que ce soit. Qu'on soit bien d'accord. Si tu prends cet avion pour Pachuca, c'est que je fais confiance à Harry. Parce que là, du coup, tu vas aller chez moi. On est d'accord. Que si tu vas là-bas, tu remets pas les pieds ici. Sûr. Ok, c'est parfait. Ok. Bah, moi c'est bon. J'ai pas envie de me péter les doigts. Moi, non, côté, c'est bon. C'est bon de ton côté? Ok. Et bah, si tout le monde est prêt, on peut. Qu'est-ce qu'il veut, Mahoni? Oh, dis juste qu'on a pas le temps. Putain, c'est mon bébé. Merde. T'as réussi à le baiser? Bonsoir. Bonsoir, madame Arquette, vous allez bien? Bah, bonsoir, et vous? Bah, ouais, ça faisait longtemps, du coup, je me suis dit que j'allais vous appeler. Oh, je vous manquais, Mahoni. Ouais, vous me manquez, madame Arquette, vous allez bien? Oh putain, bah maintenant beaucoup mieux. Attends, mieux que vous alliez beaucoup mieux. Il y avait quelques questions de précision par rapport par rapport à hier, vous avez le temps? Oui, dites-moi. Oh, c'est un petit oui, ça. Bah, vous savez, je suis une femme très occupée.
C'est vrai, comme hier, vous êtes une femme très occupée, madame Arquette. Exactement. Puis à quoi? J'ai des petites choses à faire. Quoi, ces petites choses? C'est vaste, vous faites du petit shopping. On n'est pas assez intime, Mahoney, pour que je vous dévoile toutes mes facettes. Pourtant, c'est vous voulez que c'est vous qui à chaque fois me parlez d'intimité, donc. Ah oui, c'est vrai que oui. Mais tant que je n'aurai pas eu cette intimité, vous n'aurez pas plus de mes facettes. Okay, dommage, ces facettes elles sont intéressantes. Elles peuvent être très intéressantes. Hein. Ok. Non, mais j'avais quelques questions par rapport à. J'avais quelques questions par rapport à hier. Vous avez dit que vous étiez que vous deviez des choses à des personnes, à qui en particulier, oui. Du coup. Mais vous avez le droit comme ça, sans les droits Miranda et tout, là, de me poser des questions. Ah ouais, j'ai le droit, mais en fait, c'est que des questions, vous savez. Ah, bah je vous répondrai pas du coup. Bah, bon, bah prochaine question alors. Ça s'est arrangé avec les EMS, vous avez pu voir le directeur des EMS ou tout? Je sais pas ce qu'il en est découlé du rendez-vous avec les procureurs. Pourquoi les procureurs? Parce que les procureurs ont essayé d'arranger les choses. Donc ils ont fait médiateur. Okay. Fait médiateur quand ça? Depuis quand? Eh ben quand j'étais en interrogatoire avec vous, Mahoney, Monsieur Jones était au bureau des procureurs. Avec Benison. D'accord, ok. Du coup, et du coup, ça, vous savez pas si ça s'est arrangé ou pas? Aucune idée. Je crois que oui. Mais bon. Oui, ok. Bon, écoutez. Ok, ok. Bon, ça, non, ça va pas raccrocher. Parfait. Ah, excusez-moi. Hein. Vous savez, moi aussi, je suis un homme très occupé, madame Arc. Ah oui, j'en doute pas. Qu'est-ce que vous faites? Actuellement, je suis au poste. Voilà. Ah. Vous devez bien vous faire chier. C'est ça. Même, hein. Bon, non, vous savez, on a toujours des choses à faire, madame Arquette. Toujours. Ah, la preuve, je vous appelle. Ah bah oui, des choses importantes. Hein. Des choses importantes. Vous comptez vendre sur la plage prochainement, encore une fois? C'est quoi cette question, Mahoney? Je sais pas. Ah, vous avez tenté, là. Hein. Ah oui, j'attends. C'était un bel essai. Hein. Eh ben, c'est écoutez, pas Monsieur Walker et Monsieur Jones qui vendaient sur la plage hier? J'en sais rien. Vous savez, je piste pas mes hommes. Hein. Qu'est-ce qu'ils faisaient sur la plage du coup? Bah, ils ont pas le droit de se balader. C'est interdit. Je pose des questions, je suis curieux, vous savez, je vous ai dit, la plage, moi j'aime beaucoup aussi. Hein. Ah oui, bah oui. Bah, moi j'aime beaucoup mes hommes. C'est vrai, vous aimez beaucoup vos hommes? Ah bah, forcément. Ok. Vous tenez à quel point eux, tiens? C'est une question que je vous ai pas posée en interrogatoire, ça hier. C'est mes hommes, Je tiens beaucoup à eux. D'accord. Ok. Hommes. Je demandais si c'était le cas de tous vos hommes, madame Arquette. Bah, c'est quoi ces questions, Mahoney? Bien sûr. Tous mes hommes sont importants à leur échelle. À leur échelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous la même importance, du coup. Ah bah non, chacun pour des choses différentes. Du coup, vous êtes où, là, actuellement? Vous êtes à Groove, comme moi, que j'étais au PDP? Bah, je suis totalement dans mon bureau. Ah, c'est quoi, votre bureau? Alors, c'est la table dans ma salle à manger, mais c'est mon bureau, quoi. Vous... Donc, dans votre appartement actuellement, quoi. Oui, bah oui. Pourquoi? Y'a un problème? Okay. Non, je me posais comme question. Vous avez des nouvelles de Madame Reed pour son départ en avion? De Madame Reed? Comment ça, son départ en avion? Vous m'avez dit que vous aimeriez bien qu'elle parte en avion. Oui. Bah, oui. Elle est partie ou elle a pas encore pris son vol? J'aimerais bien être au courant, vous savez. Elle est partie. Et partie de quand? Hier. Avion? Oui. Ah, ok. Partie en avion. Elle a eu le temps de prendre son billet et tout? Ah oui. Okay. Bah, vous savez, il n'y a pas beaucoup de monde qui va à Pachuca. Hein. Où Pachuca? Pachuca, c'est au Mexique.
D'accord, ok. Vous ne connaissez pas du tout. Ah, c'est une super petite ville. Les habitants sont sensationnels et c'est une capitale du football. Si jamais vous aimez le football. Capitale de football. Ouais, ils ont une très bonne équipe. Ok. Ok, ok. Et du coup, vous êtes contente du coup, elle a fait son bon choix, Madame Ritzy, elle a pris son avion du coup, j'imagine. Exactement. Moi, je suis ravie. Vous êtes ravie. Ah, vous me mentirez pas quand même, Madame Reed. Madame Reed, Madame Arquette. Mais comment ça, je vous mentirais? À quel sujet? Je sais pas, hier je vous ai dit que vous étiez une menteuse, vous m'avez pas vraiment dit que c'était pas le cas. En même temps, vous inventez des trucs, Mahoney. Comment ça, j'invente des choses, Madame Arquette? Mais comment ça, je suis une menteuse? Quoi? Je sais pas, je vous pose la question, vous êtes une menteuse ou pas? Ah bah non. Bah non, okay. Parce que vous me demandez de jurer de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Du coup, vous me jurez de ne dire la vérité, rien que la vérité, c'est la vérité, rien omettre ni déformer dans vos propos, Madame Reed. Je ne suis pas dans un bureau avec vous, Mahoney, dans ce cas-là, je ne peux pas le promettre. Vous ne voulez pas le promettre? Ah non. Vous savez, vous pourriez même au téléphone, vous pouvez très bien... Il n'y a pas toute cette tension, il n'y a pas... Il n'y a pas la tension de la cellule. Ouais, c'est ça. Ça me manque. Parce que vous êtes une menteuse, Madame Arquette? Ah mais non, pas du tout. Oh, ok, ok. C'est bien avec la mairie? Comment ça, la mairie? Je sais pas, vous m'aviez dit que vous étiez... que vous aviez hâte d'avoir les résultats des élections hier. Non, je suis pas très contente. Mince, quel dommage. Ouais, ah, du coup, vous. Vous vouliez chauffeur, ouais. Ouais, bah oui. Mm. Bah, forcément, le chauffeur, okay. c'est mon petit coup de cœur du LSPD. Donc, le voir monter à la mairie, pouf. T'es mon petit coucou du LSPD, pourquoi ça? Oh, je sais pas. C'est un des premiers qui m'a topé quand je suis arrivé sur l'île. Je sais pas. Je me suis un peu attaché à lui, hein, je crois. D'accord, oui. C'était un des premiers qui vous a topé sur l'île. Et... Donc, quoi, si vous êtes au. Dans votre appartement, ils font quoi vos sbires, comme vous les appelez? Mes sbires? C'est pas comme ça que vous les appelez? Ah non, il y a Aiglon pour Walker. Je les appelle mes hommes. Vos hommes. C'est mes hommes. Bon soldat, vous disiez alors. Oui, mes soldats. Mes soldats, vous dites. Je sais pas, ils doivent être en train de travailler certainement. Ceux qui travaillent à quoi? Mahoney. J'ai pas besoin quoi, de répondre Madame à cette question. Répondez, quelqu'un d'illégal. J'ai pas cette question, mais j'en sais rien, moi. Peut-être rien, vous savez pas grand-chose, quand même, Madame Arquette. Hein. Bah... Vous savez pas combien coûte un cran d'arrêt, vous savez pas où sont vos hommes. Mais vous savez pas combien coûte ceci. Bah, peut-être que... Peut-être qu'ils sont en train de faire quelque chose de totalement illégal, peut-être qu'ils sont en train de pêcher, je sais pas. Je suis au téléphone avec en vous. En tout cas, par contre, vous savez que Madame Reed est partie de l'aéroport. Ah oui, bah ça en même temps, c'est moi qui l'ai déposé, donc forcément. Qui l'avait déposé à l'aéroport hier soir, d'accord. Bah oui. On sait qu'elle a pu prendre un avion, vous l'avez vu prendre son avion? Oui. Enfin, je l'ai vu entrer dans la porte d'embarquement en tout cas. Dans la porte de l'embarquement. D'accord. Voilà, bah moi, de mon côté, c'était tout, Madame Arquette, hein. Ah ben c'est... Ben écoutez, si ça vous a occupé 10 minutes de votre vie, moi ça me va, hein. Bah, ouf. Toujours un plaisir, Madame Arquette. À bientôt, du coup. Ah ben, avec plaisir, Mahoney. Vraiment. À bientôt. Bizarre, non ? C'est comme j'ai dit, genre ma meuf est mort. Bon, vraiment chelou, hein, Mahoney, quand même. Hein, pourquoi? Bah, je sais pas, il m'a reposé un milliard de questions. Tu as pas dit qu'il pouvait pas s'occuper de ma calico, ce chien? Putain. Non, mais du coup, on va aller le voir. Il est au PDP, je sais pas, il a l'air de se faire chier. Pas le temps, je vais me coucher, je suis fatigué. Non, mais de toute façon, on va aller. Ouais, voilà, dis les termes. On va aller à l'aéroport. Bah, let's go. Ouais. Je pense qu'on va y aller. Allez. T'as le numéro de Josh ou pas toi, Kenneth? Ou je te l'envoie? Kenneth, on a les numéros. T'inquiète pas. Josh, ouais, je dois l'avoir. Hein. C'est qui, Josh? Mon coloc qui... Client pour vous. Ah.
Josh, okay. You, Joshy. Autant au moins que ça soit avec vous. Moi je l'ai pas. Josh. Attends, il t'a fait à la ferme, non? Vas-y, dis-moi. Non, cela dit, non, je t'ai tout filé, refile 2-3 pochons là. Je pourrais venir acheter des connards à Pachuca. Refile le stock, Pedro. Non, ça je sais d'où ça vient, c'est moi qui l'ai produit. Je sais que oh, si merde, jamais j'arrive à faire passer ça, mais au pire, lui, il gueule. Là, je sais que c'est produit local, bien fait, bien mis en pochon, c'est moi qui l'ai fait avec une petite main. 76-44, ok, pas de soucis. Je le préviens, je lui dis juste que tu vas le contacter. Ouais, je lui envoie un petit SMS, il a besoin. Kenneth ? Ouais, ouais. Tu seras le dernier à voir ma grosse saucisse. Go. Je l'avoue à JB que c'est moi qui avais chouré ses saucisses. Bah ta voiture, ouais. T'en fais quoi? Je sais pas. Oh, laisse. Alors je te conseille de la laisser ici. C'est un conseil. C'est vraiment un conseil. Grimper. Bagnole verte, la laisser ici? Il y a des choses qu'on change. Je rentre juste le bowler. C'est mieux, ouais. Jules, t'es allé où? Je viens de faire le plein là, je vous attends au bout de la rue. Ok, ok. Vous ferez gaffe en ce moment vers la plage pour la vente. Le LSPD arrête pas de me demander si on aime la plage. Ils sont pas discrets ces abrutis. Non mais. Que c'est Mahoney. Mahoney a dit que je lui avais manqué depuis hier. Mais dis donc, c'est que ça commencera à travailler le travail là. Et comme je lui ai dit, hein, je lui ai dit non mais je répondrai pas à toutes vos questions parce qu'il n'y a pas la tension de la cellule. Oh. Bah, et franchement, ça commence à payer. Hein. Bien travailler au corps, c'est bien. Ouais, bah ouais, j'aurais bien voulu dire. c'est un détail. Moi j'aurais bien voulu une négociation pour les véhicules, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Ouais. J'irai me consoler. Mais tu la bouges ta merde, enculé là! Il y a marqué taxi sur ma caisse là! Putain! Ouais, ah là! On peut coller un truc, ça va. On s'en fout. Départ, je pense. Nickel. Parfait. On y est. Ouais. Quand je reviens, vous avez intérêt à me rendre ma chambre, hein, je vous le dis. Je pense qu'au début, c'est JB qui va la choper. La chambre ou la sœur? Ah, c'est pas pareil. Oh putain, Kenneth. Ah, ouais, sœur s'étale déjà Harry, déconne pas, s'il te plaît. Reste une. C'est vrai qu'il y a Magda. Non mais c'est bon quoi. Il y a quelqu'un de présenté, tu verras, il parle pas la langue mais j'en viens, c'est important. Ah, c'est son serveur. Mais Kenneth, tu parles de ma petite sœur là. Ah ouais, bah ouais. Calme-toi. Après, si je peux me permettre, en parlant de ta petite sœur. Fais gaffe. Tu veux que je la repoignarde ou comment ça se passe? Fais gaffe. Je me chauffe pas ou je te pète la mâchoire. Ah, y'a une qui sera déçue. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Si elle te disait rien, Rosa. Putain, t'abuses. Mais en plus, je t'en ai déjà parlé. Oui, bah oui, c'est vrai, je t'ai posé des questions. Eh, puis t'as répondu. Désolé, mais quand t'as fait ensemble, j'ai appris beaucoup de choses aussi de ton côté. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bien meublé. C'est vrai. Enfin. Et toi, JB, t'apprendras l'espagnol là-bas, de toute façon. Oui, bah, ça va me rappeler les cours quand j'étais plus petit. Parfait. Je réapprenne. Les 80% là-bas parlent pas un mot d'anglais, tu vas vite apprendre. Ah bah, y'a que Teresa, qui est totalement bilingue. Bah, et moi, du coup. Et toi? C'est Harry qui traduira pour moi. Ou Teresa, mais étant donné que globalement, Teresa sera probablement pas loin de moi, tu en reviens à peu près au même. Ouais, non, c'est vrai.
C'est vrai. D'ailleurs, si jamais il y a une petite fille hystérique mais magnifique qui te saute dans les bras, c'est normal. C'est Teresa. Teresa charmante. T'inquiète pas. Et elle adore faire des câlins. Oui. Oui, oui, oui. Elle a l'autorisation de lui faire un câlin en retour. Demandera pas la permission avant de te sauter dans les bras. Alors, littéralement, tu n'auras pas le temps. Prépare-toi juste à avoir un boulet de canon de 50 kilos te sauter dessus. Exactement. Moi, je suis prévenu. Voilà. À peu près aidé. De toute façon, dans l'avion, j'aurai le temps de te faire le pitch de là-bas. Ouais. Ça va bien se passer. C'est bien, comme ça, JB, il donnera un coup de main à la maison. Ouais, il y a besoin. Il y a besoin en ce moment. Ouais. Ça sera deux bras, pas de trop. Ouais. Pedro vient de sortir de cellule, donc... Et des bras en plus. Il y a pas longtemps, là. Il y a pas longtemps, il y a 2-3 jours, je crois. Excellent. De toute façon, c'est très bien ce qui se passe, si on le revoit. Ouais, ouais, t'as l'autorisation. Yep, t'inquiète pas. Juste pas au sein de la ferme. Tu sais très bien ce que je ferai. Ouais. Eh bien... Ouais. Sont des au revoir et des adieux. Mmh. Au revoir, c'est bien. Kenneth, Camille, chasse gardée, même si je suis plus là. Ouais, tu casses pas la tête. Et tu meurs pas avec Charlie. Non. Que j'ai promis que si tu faisais de la merde, je te cassais la gueule. Je serais plus là pour te casser la gueule, donc fais pas de la merde. Oh non. Est-ce que ça va devenir sérieux entre nous? Bon, Kenneth, de son côté, ça l'est déjà. Ah, je sais. Mais c'est qu'est-ce qu'il veut, ce con? Alors, madame Akkad, vous est manqué. Bah oui, vous m'avez beaucoup manqué. On m'appelait pas chérie. Mais par contre, j'ai vraiment pas le temps là. Croche. Vous avez pas le temps, madame Akkad, j'avais une question super importante. Je m'appelle pour lui dire d'aller se faire enculer. C'est bizarre, vous m'avez dit que madame Reed a pris l'avion, mais on croit l'avoir vue pendant la soirée. Tu t'es déjà fait faire enculer. Quelle heure était vue? Ah bah peut-être. C'est pour ça que vous avez dit que vous m'avez menti tout à l'heure. Ah bah pardon. Vous mentez, madame Akkad. Bah je pensais qu'elle était montée dans l'avion, mais peut-être elle est pas montée. Je vous ai dit qu'elle est montée dans le hall. Mahoni, ah, je jouais pas sur les mots. Je vais l'appeler pour me dire. Je joue pas sur les mots, je vous dis. Moi je suis triste, vous voyez, vous me dites que vous êtes pas une menteuse et au final vous êtes bien une menteuse. Mahoni, je suis pas une menteuse, c'est juste que c'est compliqué hein, votre anglais là, moi je comprends pas. Maintenant vous allez dire que vous comprenez pas ce que je dis parce que vous comprenez pas l'anglais, madame Arcade, vous foutez pas un petit peu de ma gueule quand même. Ah, tu t'es vraiment. Jamais, Mahoni, jamais. Ouais, jamais, jamais vous foutrez de ma gueule. Bah non, je ferai pas ça. Vous êtes occupé pourquoi, madame Arquette? Vous savez, les papiers, tout ça, tout ça. Quel genre de papier? Mais Mahoni, rentrez pas dans les détails. C'est bien les détails, moi je suis croustillant de détails, madame Arquette. Ah oui? Ouais. T'as pas compris votre réponse. Ouais. C'est non, quoi ce ouais d'un air sérieux? De la paperasse quoi. Y a des gens à côté de vous, madame Arquette? Pas du tout. Non, du coup, ce ouais, il était bien dirigé envers quelqu'un qui était à côté de vous. Si vous disiez oui à un ordre, vous êtes pas dans un appartement au final. Ah ben je suis plus dans un appartement là, je suis sorti. Vous êtes plus dans un appartement. Et du coup, vous m'avez menti par contre, ce fait qu'il y a personne à côté de vous, vous venez de dire ouais, comme si vous parliez à quelqu'un d'autre. Ah non, c'était à vous que je parlais. Dans ce cas-là, je comprends pas pourquoi vous avez fait ouais. Oh, Mahoni, je sais plus, hein. Moi je perds la boule. Vous perdez la boule? Vous avez pris vos. Quoi? Vous m'avez dit que vous aviez des problèmes de mémoire, fut un temps, ouais. Oui, bah ça s'est pas arrangé. Ça s'est pas arrangé, hein? Non, ça s'est toujours pas arrangé. C'est facile, non? Vous trouvez pas? Vous êtes en train de dire que je mens, Mahoni? Bah oui, vous êtes en train de dire. Je dis que c'est une possibilité, en tout cas, oui. Non, bah c'est. Oh. Ah bah. Vous avez du travail, Mahoni, je crois. Je crois qu'on a du travail, madame Arquette, effectivement. Bah, je vais vous laisser, du coup, Mahoni. Passez une bonne soirée. Non, notre corps. Faites attention à moi. Faites-vous vraiment attention. Vous inquiétez pas, on est. Madame Arquette. C'est bête qu'il vous arrive quand même des bricoles. Vous savez, madame Arquette, on est nombreux en ville. On est nombreux en ville. Il y a beaucoup de personnes pour gérer beaucoup de monde et beaucoup d'affaires différentes. Mais, Mahoni. J'ai entièrement confiance à mes collègues. Ah. Donc vous êtes toujours à l'Espidi, tranquillement. Non, j'ai dit tout à l'heure que j'étais au Lespid et j'ai pas dit là où j'étais. Ah. Vous irez pas où je suis.
Ah bah non, puis je vous le demande. Ça vous intéresse pas. Mais vous m'intéressez, Mahoni, bien sûr que ça m'intéresse de savoir où vous êtes. Je vous intéresse. Bah, pour moi, ça m'intéresse de savoir où vous êtes aussi. Pourquoi? Parce que je vous intéresse, Mahoni? Pour être sûr que vous me mentez pas, vous me dites qu'il y a personne à côté de vous, etc. Vous pourrez vérifier comme ça. Eh ben, il y a toujours personne. Seulement ou tout à l'heure? Ou c'est le cas tout à l'heure? Non, il y a toujours personne. Attendez. Quoi autour de vous, Madame Arquette? Mais il y a des arbres, Mahoni. Il y a plein d'arbres. D'arbres? Oui, il y a des arbres. D'accord. Cœur d'arbres bien forêt ou? Des buissons. Ouais, des buissons. Palmiers. Comme ça, il a plus de nouvelles, c'est pas au nord du coup? Pourquoi je serais au nord? Vous aimez pas le nord? Je n'aime pas spécialement le nord, non. T'éloignez beaucoup de Grove Street? Bah, ça dépend ce que je fais. Et là, actuellement, vous faites bien quelque chose? Ah oui, là, actuellement, non, je suis pas très très loin de Grove. Actuellement, vous êtes très très loin de Grove, d'accord. Vous y étiez tout à l'heure. Ah oui? Qu'est-ce que vous faites par chez moi? J'ai pas dit que j'étais chez vous, je vais pas, pas chez les autres, Madame Arquette. Hein. Bah, encore heureux. J'aime pas gros. Enfin bref. Mais. Vous avez encore des questions, Mahoni, ou... J'ai plein de questions, Madame Arquette. Ou juste vous êtes en train de tricoter là. Vous aimez pas le tricot? Alors, ma mère adore ça. Moi, je suis très nulle à ça. Mère, Madame Vega, je crois. Oui, Madame Vega, Maria. Je me souviens. Vous vous souvenez de tout? Je me souviens, vous en avez parlé. Ah, vous savez. Incroyable, vous avez mon dossier sous le nez, c'est ça? Non, absolument pas. C'était juste que c'était revenu ce Madame Vega avec cette histoire de téléphone fut un temps. Votre téléphone que vous avez perdu à cause de votre mémoire, Madame. Ah, mais bien sûr, ce téléphone. Et que moi. Voilà, ce téléphone-là. Ah oui, oui, ce téléphone-là, oui. C'est pas toi, tu sais. Je dis que c'est moi. Du coup, vous dites que vous aimez pas le Nord. Qu'est-ce que vous y trouvez dans le Nord? Vous aimez pas ça? Bah, y a pas mal de bestioles, hein. Les coyotes, les pumas... Pas mal de bestioles? Ouais. Parlez aux animaux? Bah, ça pourrait expliquer des choses, sinon, hein. Comment ça? C'est quoi cette question? Je sais pas, hein. Non, je parle pas aux animaux. Je sais pas, vous posez la question. Enfin, je parle à mon chien, mais c'est tout. C'est un animal, votre chien. Du coup, vous parlez aux animaux. Oui, mais c'est mon chien, c'est juste mon chien. Je parle pas à n'importe quel animal. Vous avez pas de nouvelles de Madame Reed, comme apparemment des gens l'auraient croisé plutôt dans la journée? Non, pas spécialement. Vous avez l'air blasé. Pourtant, vous avez l'air d'y tenir à Madame Reed quand vous étiez en cellule hier. Mais bien sûr que j'y tiens. Mais après, elle a certainement pris l'avion là, il y a quelques heures, je sais pas, moi, j'en sais rien. Ah, donc, tout à l'heure, vous me dites qu'elle a pris l'avion hier soir, et maintenant, vous me dites qu'elle a pris l'avion il y a quelques heures, Madame Arquette. Mais Mahoni, parce que je l'ai déposé hier à l'aéroport... Vous contredisez toutes les deux secondes. Peut-être qu'elle n'a pas pris l'avion, j'en sais rien, je suis pas allé lui tenir la main jusqu'à ce qu'elle monte. Ah. Mais j'ai pas que ça à faire, Mahoni. Vous êtes occupé, c'est vrai. Mais oui, très occupé. Bordel. Force. Oh ouais. Forcé à trappe là. Non mais vraiment il veut pas me lâcher hein, j'en peux plus. Ouais, tu dis que moi je vais au lit en vrai. Madame Arquette. Pardon Mahoni. Fifi. Ok. Mais vous savez, on peut raccrocher aussi hein. On va pas faire... tellement envie. Hein. Vous avez envie de raccrocher? Bah on va pas faire comme ces vieux couples qui s'endorment au téléphone quand même. Ah, sinon, j'ai foutu les clés du ce serait bizarre. Là. Non, vous pensez pas? Genre elle m'a dit, je sais... Vous réfléchissez beaucoup, Mahoni. Ouais. Elle n'avait pas réfléchi, Madame Arquette. Alors, avec ma mémoire, c'est compliqué. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Bah oui. Qu'avec votre mémoire, c'est compliqué. Mm-mm.
Mahoney le boss. C'est... Bah écoutez. Vous pensez que d'autres personnes ont vu Madame Reed si vous vous l'avez pas vue? Je sais pas moi. Je sais pas. Mais je mets des puces sur personne. Hein. Vous allez me dire que vous savez toujours pas où sont vos chers collègues, Madame Arquette. Bah ils sont certainement en train de travailler. Les clés de mon bolard. Quoi, travailler, ça veut tout et rien dire, Madame Arquette. Okay. Et ça veut dire quoi pour vous? Quoi? Pardon. Ouais, y a quelqu'un. Vous arrivez pas à m'entendre, y a quelqu'un à côté de vous qui vous parle en même temps. Mais non, mais Mahoney, je fatigue. Vous fatiguez ouais, de quoi? Vous commencez à fatiguer de quoi? Bah, vous savez, c'est fatigant, hein, mon travail. Travail est fatigant, ça je veux bien le savoir. Bah oui. Enfin, je veux bien le savoir, le... Bah, vous pouvez le comprendre, en tant que meneur d'hommes, le comprendre. Vous savez. Je suis pas un meneur d'hommes, moi, déjà, et je me mettrai pas à votre position, parce que je ne la comprends pas. Mais oui, alors, je suis un petit peu gradé. Prenez ma position comme vous le souhaitez, après, considérez juste que je suis une chef, vous êtes un chef. Voilà, c'est tout. On peut s'arrêter à là. Je suis pas un chef, comme vous ai dit. Hein. C'est vrai que du coup, je suis plus gradé que vous. Ouais, pour autant, vous contrisez. Peut-être que c'est un truc des chefs, ça, de se contrisez toutes les deux secondes. Peut-être, ou juste de la folie, vous savez. C'est de la folie. Vous pensez que vous êtes folle, oui. Madame Arquette? C'est vous qui l'avez dit, là, pour le coup. Je suis totalement folle. Folle de vous, Mahoney. Je crois percevoir un teaser qui montait au-dessus d'aéroport. Ouais, je sais. Va falloir que vous y allez. Hein. Moi, la kidnappée. Les flics sont en train d'arriver. Donc, va falloir monter. Okay. Ah oui. Faut monter. Les flics sont juste au-dessus. Donc il va falloir aller dans la ville. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, Madame Arquette. Bah, à bientôt. Bonne soirée, Mahoney. Hein. Je vous fais pas de bisous, hein, surtout. Ah bah non, j'en veux pas. Ah super, merci Mahoney, vous me décevez. Bonne soirée. Ouais. C'est moi la kidnappée, du coup. Mais j'ai dit que tout allait bien. Mais ils sont vraiment là-haut, là? Oui, ils sont là-haut. Mais bah du coup casse-toi, nous on va monter à pied et dire que non, on prend l'avion, tout va bien. Non non, mais allez-y, je m'en fous. T'inquiète. Rosa. Mm-hmm. Prends tout le monde. C'était Médoc. À toi. Ouais. Quoi? Manger. Si tu te bourres la gueule ou que tu drogues, coup de James aux canettes, par pitié. Ouais. Trouve-toi un bon chauffeur. Surtout un chauffeur qui ne recule pas. Passe à te faire passer à la ceinture, s'il te plaît. Et à la porte. Bah c'est pour ça qu'au fait je ne fais pas de marche arrière parce que sinon tu descends et tu te prends la porte. Ouais. Prends soin de toi. T'as intérêt à vite venir à Pachuca. Bonne nuit les gars. On passera avec... James. C'est vrai. Prochaine. Ouais. Allez, filez. Tout le monde est prêt sur toi. Oust. Bon voyage.
t'es encore à l'Emerald? Bah, j'étais en train de partir. Ok. Tu veux passer? Non. Non, c'était juste pour savoir. J'étais en train de partir parce que... Oh, il se passe pas grand chose. Ok. Tu as récupéré ta voiture? Non, pas encore. Ok, ok. Et me dire un truc, je crois. Non, pas spécialement. Ok, ok. Elle est partie du coup là? Ouais. Tu y étais? Ouais. Ouais, elle va à Pachuca. Ok. Ok, c'est bien. Une super bonne nouvelle. Ça te soulage un peu, non? Je serai soulagée quand elle m'enverra un message depuis là-bas en me disant que c'est bon. Mmh. T'as prévenu Teresa qu'elle aille la chercher quand même? Bien sûr. Ok, ok. Bah écoute. Je te préviens juste. Mmh. Que si jamais on va là-bas. Ouais. Il n'y a pas que Harry que tu croiseras. Comment ça, il n'y a pas que Harry? Tu croiseras JB. J'ai loupé un truc là. Ils sont ensemble? Non. Pourquoi il va pas de choca lui aussi? Parce que ça t'était appris. Ok. Merde. C'est ma faute. Bah non, tout est bien qui finit bien. Ouais, mais peut-être qu'il aurait pas voulu ça, peut-être qu'il voulait rester ici. Peut-être. À cause de moi, il est... Je sais pas. Après, il a fait ses choix. Ouais. Putain. Bah écoute, si tout le monde est en vie, c'est déjà le plus important. Ouais. Ça me fait chier, mais c'est le plus important. Bah écoute, tout le monde va bien. Tout le monde a ses deux jambes, ses deux bras, la tête sur les épaules. Non, il faut que toi t'ailles bien. Ouais. On verra. On verra comment ça se déroule. Je serai là, pour toi. Ouais, je sais. Donc tu me laisseras t'aider, parce que sinon, je peux pas faire grand-chose. Tu fais quoi du coup? Je vais voir à la fourrière si ma shafter y est. Attends, mais je viens de chercher quand même, non? Non, t'inquiète. J'imagine, elle est pas là. Je suis juste à côté. Ok. Bah, si elle est pas là, tu me dis, je viens de chercher. Mais si elle est pas là, je comprends pas où elle est. Hein, parce que je l'ai rangée hier soir. Et je sais pas, peut-être que. Je sais pas comment la fourrière s'est démerdée pour la rembarquer. Ah mais non, mais je sais pourquoi. Oui, j'avais laissé les clés, putain. Attends, je viens de chercher. Non mais c'est si je... Devant l'ancienne maison d'Harry. Ok. Mon ancien chez moi. Ok. J'arrive. Je bouge pas. Je vais devoir raccrocher. J'ai 2-3 petits messages à envoyer. Vas-y, de toute façon, je suis là dans 10 secondes. Ça marche.
en tout cas, c'est sûr ça va faire du bien pour ta santé. Ouais. Au final, elle m'aura un tout petit peu écouté, Harry, quand même. Enfin, ou peut-être pas moi, mais... Pourquoi tu t'énerves? J'avais un problème avec le coffre, il m'a saoulé. D'accord. Non mais d'accord. Un peu à cran, là. Je dors pas beaucoup ces jours. Ok. Et enfin, même ces nuits du coup plutôt, mais bref, tu vois, c'est compliqué. C'est ça, bien. Tiens. T'as pris ton traitement? C'est un repas en Winnie, hein, non ça? Oui, t'as pris ton traitement? Non. Tiens. Hop. Une petite trace sur ton meringue comme je t'avais dit. Je vais sortir ta voiture, attends. En vrai, moi j'ai une proposition. Attends, déjà, hein, tu... Oh. Mmh. Je suis pas comme ça. Ok. Et tu la mets à la plage et tu reviens ici? Je vais en chercher une autre, je la mets à la plage et j'arrive. Ok. Je t'attends ici alors. Ok. Dans la plage. On va aller récupérer le médecin. Hein.
le Messa, mon véhicule de cœur. Ah, bah voilà. Ça commence. Le potable. Oh non. Incroyable ce Messa. Elle a pas réussi. Elle a bougé. Je m'y remets si tu veux. T'inquiète. Eh, hey, retourne là-bas, vas-y, vas-y, vas-y. C'est n'importe quoi. Rosa et ses photos, c'est n'importe. Parfait. Elle est sympa en blanche aussi, je trouve. Elle est pas mal en blanche. Plus simple, entre guillemets. Mm. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas vu l'alerte enlèvement? Non, j'ai même pas fait attention. Il y a eu une alerte enlèvement tout à l'heure. C'était pour Harry. Ah putain. Tu fasses ton yoga. Super. Nickel. Je vois que les bisous dans le cou, ça te fait toujours sans réagir. Laisse-moi faire mon yoga, s'il te plaît. Petit dernier, vas-y. Il faut que je me détende là. Détends-toi. Déjà, t'as un peu plus de sourire, ça fait plaisir. On verra demain si c'est encore le cas. Ouais, tu vas dormir comme une princesse avec moi, tu vas voir. Super. Tu peux pas dire comme une reine plutôt? Si, comme une reine si tu veux. Je suis pas qu'une princesse. C'est vrai qu'on a dit j'étais ton roi donc. Si j'étais une princesse, ça voudrait dire que j'ai quelqu'un au-dessus de moi. Ouais, ah, écoute. Je te rappelle qui gouverne. Ça dépend où. Je joue pas à ça. Je joue vraiment. Je joue à ce que je veux, Rosa. Non, je crois pas.
Je te rappelle que tu crées un aiguille par là. Hop. Elle lâche. Pas possible ça. Donc t'es ma reine et je suis ton roi. Ah ok. Sommes à égalité ici. C'est bon, t'as tout géré, t'as plus de rendez-vous. Normalement. Ok, ok. C'est parfait. Jusqu'à ce qu'on me rappelle, mais... Sinon, tu t'as ton téléphone, non? Non, en vrai, t'éteins... Non, non, l'éteins pas. Que, effectivement, si elle arrive, t'envoie un message pour dire qu'elle est arrivée, c'est... Ça te fera encore plus de bien que tu l'aies déjà. Mais... Oh putain, j'avais oublié le rendez-vous! Oh, je suis une connasse. Pour ma voiture, si tu veux. Je te la sors. Bah maintenant ou... Mais je vais l'enculer par contre. Elle me parle autrement cette pute. Putain, faut que j'aille retirer de là dessus. Comment s'écrit son nom de merde? J'en ai marre. Putain, mais perdre la boule comme ça, c'est terrible. Je te demandais en plus, hein, si t'avais un petit rendez-vous. Terrible, terrible. Oh non, mais sérieux. Y'a rien dedans? J'hésite. Oh putain, mais sérieux, mais laissez-moi. Oh, va te faire foutre, connasse. Il y avait un poteau. Aïe.
mais il y avait des machins ici. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, madame. Madame Chanel, je présume. Tout à fait, madame Arquette, j'imagine. Oui, c'est ça. Très bien. Pour votre soirée, du coup, vous avez l'exclusivité du lieu. Vous pouvez décider de qui rentre ou non au sein de nos locaux. Mm-hmm. Je vous prierai de bien vouloir respecter l'environnement, bien sûr. Bien sûr. Si vous souhaitez fumer à l'intérieur, ça ne me pose pas de problème. J'ai des clients habitués qui font ça régulièrement. Très bien, parfait. J'imagine que vous avez dans la main les 33 300 $. Oui, bah, effectivement. Je vous les donne de suite. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que vous avez besoin de précisions concernant le lieu ou... Non, je ne crois pas. Non, il me semble pas. Hein. Je resterai joignable le long de la soirée si vous avez besoin. Très bien. Je laisserai nettoyer un petit peu s'il y a des traces suspectes, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vais... Je préfère ne pas m'occuper de ça. Non, mais on est d'accord, vous inquiétez pas, on a une équipe du feu de Dieu. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Parfait. Bonne soirée, madame Chanel. Merci. Rosa qui oublie tout, quoi. Ça va passer. Tu peux aller la ranger. Mais let's go, j'arrive. Tu peux monter si tu veux. Mm-hmm. Alors, elle était bien cette calico ? Je te paierai pas. T'as reçu mon virement, d'ailleurs ? J'ai pas fait attention, mais peut-être.
Oui, je vois mon argent, je pense que oui, tu m'as fait un virement, effectivement. Okay. Enfin, combien? 15. 15 000 Bah oui, je sais pas, j'ai pas compté combien je te devais, entre le permis, les amendes, et le poteau que j'ai peut-être pris là, ce soir. Béni, c'est pas grave. Ah, je sais pas, ça chiffrait pas mal hier. Et j'ai pas compté non plus. Ouais. Du coup, j'ai dû mentir à l'agent de police. Bah écoute, comme je viens de dire à un agent, certains mensonges sont nécessaires. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Je connais quand même une vérité importante. Thème. Alors, que ce soit une vérité, oui, mais est-ce qu'elle est si importante? En vrai, enfin, à mes yeux, un petit peu. Après, à tes yeux, peut-être qu'elle est pas, mais... Ok. Elle est à tes yeux? Si, si. Très convaincant, ça. On va mettre... Ouais. Est-ce que tu vas réussir à dormir avant de recevoir le message de Harry? Je sais pas. Je t'avoue que je vais méditer jusqu'à ce que je tombe de sommeil. Bah écoute. Juste derrière toi, comme ça tu t'effondreras en sommeil. Nickel. Parfait. Tu tomberas dans mes bras. Nickel. Et bonne nuit tout le monde. Enfin l'arc est terminé. Alléluia mes frères. Bonne nuit, peut-être à demain. Des bisous, prenez soin de vous surtout et reposez-vous bien. Ciao. Des bisous.